Distinguished legislators, Mesdames et Messieurs les législateurs, chers représentants des groupes, des partis intéressés, Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à cette première session principale consacrée aux législateurs. J'espère que vous avez déjà eu des conférences enrichissantes, fructueuses, et maintenant je suis très contente de pouvoir passer la parole à M. Thomas Yatsenbeck, qui va faire notre première intervention de cette journée. Il est membre du Parlement et délégué du gouvernement fédéral aux affaires numériques. Thomas Yatsenbeck, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, chers collègues, les députés du monde entier, je suis très content de pouvoir vous souhaiter la bienvenue. Pour commencer, je voudrais vous inviter à commémorer la mémoire de Jimmy Schultz qui a décédé au début de cette semaine. Et je prie de bien vouloir observer une minute de silence. So thank you. And maybe you. Je vous remercie. Peut-être vous l'avez vu, nous avons mis une liste de condoléances et si vous le souhaitez, vous êtes les bienvenus y signer. Au Bundestag allemand, nous avons une commission qui est chargée du numérique. J'étais moi-même membre de ce groupe et Jimmy Schultz était en quelque sorte le ministre des Affaires étrangères de ce groupe et de notre Parlement. C'était lui qui voyageait sans cesse. Et dès qu'il s'agissait de la gouvernance d'Internet, c'était lui qui nous en faisait part. Et des fois, on s'est demander mais pourquoi, est-ce que c'est vraiment important, mais nous, il a réussi à nous convaincre de l'importance, de la nécessité de ce sujet et il a su nous expliquer ce que c'est la gouvernance d'Internet. Il a été le promoteur en quelque sorte de ce sujet. C'était lui auquel nous devons l'idée d'organiser l'IGF 2019 ici en Allemagne. Et il a donc vraiment fait la promotion de ce sujet important. Jimmy Schultz nous manquera à l'avenir et merci donc d'avoir observé cette minute de silence. En fait, il s'agit d'un IGF tout à fait particulier. C'est la première fois que nous avons consacrer une séance aux membres des parlements. Il y avait déjà une telle conférence au début, au Day Zero, mais je pense que ça mérite toute notre attention. À l'intérieur des groupes, des acteurs intéressés, il y a également, et ça c'est une nouveauté, le groupe des législateurs, c'est-à-dire des groupes des membres des parlements. Le pouvoir législatif n'est peut-être pas aussi rapide que les évolutions technologiques. Donc, au cours des années, nous avons constaté qu'il y a des processus à des rapidités tout à fait différentes. Quand vous pensez aux transformations dans la société, elles se passent à une rapidité inouïe. Il y a des défis qui concernent tous les domaines de notre vie quotidienne. Il y a de nouveaux phénomènes qui ont vu le jour. Il y a de nouveaux concepts qui ont vu le jour, comme par exemple le droit à l'oubli. Et la question qui se pose dans notre travail quotidien, comment trouver un équilibre entre ces différents aspects? C'est donc une très bonne idée d'avoir réuni ici, au sein de ce forum, les membres des parlements du monde entier. Et il est aussi très utile de pouvoir s'inspirer sur les travaux qui ont été faits ici au sein du IGF.
Cette année, l'Internet est confronté à deux défis majeurs. Il y a de nombreux endroits dans le monde entier qui sont très fiers en disant « nous avons créé notre propre Internet à nous ». Nous, en Allemagne, par contre, nous avons peur d'une fragmentation de cette ressource qui est entièrement globale. Nous avons peur que de nouvelles barrières soient construites et que l'échange d'idées et d'informations qui est complètement libre soit menacé. Nous trouvons tous dans une ville qui était partagée pendant de longues années. Il y avait un mur qui séparait la ville. Donc nous, ici les Berlinois, on sait très très bien que il faut lutter contre des tendances de séparation. C'est la raison pour laquelle nous nous battons en faveur de la liberté d'un Internet sans obstacle. Le deuxième défi que je voudrais aborder concerne l'industrie. Au début de l'ère numérique, il y avait énormément d'activistes, beaucoup de technologies qui étaient basées sur le concept du open source. Maintenant, nous constatons qu'il y a de grands groupes, de grandes entreprises qui sont les pionniers d'Internet, qui font un travail fascinant et qui ont apporté énormément d'innovation, mais ils mettent en question les normes ouvertes qui ont caractérisé le début de l'ère numérique. Maintenant, on constate que partout, il y a des normes qui ne sont plus à la disposition de tout un chacun, qui sont limitées dans leur utilisation. Et les grands groupes mettent en question cet aspect libre, ce concept de la liberté dans l'Internet. Nous sommes fermement convaincus que nous avons besoin de ce caractère ouvert des standards sur Internet. Et nous nous battons contre les obstacles. Nous nous battons en faveur d'un Internet libre, ouvert, qui est basé sur le concept du open source. Il est donc crucial que Internet reste une plateforme pour les innovations. Nous souhaitons éviter à tout prix qu'il y ait des acteurs qui dominent les activités sur Internet. Ça, c'est crucial pour nous dans notre travail. Nous nous sommes réunis aujourd'hui ici afin de lancer l'appel Jimmy Schultz pour commémorer cet éminent politicien qui a toujours défendu les valeurs d'Internet que je viens de citer. Il y a d'autres défis à relever. La criminalité en ligne, les discours de haine. Comment équilibrer la distance qui se creuse entre ces sujets-là et le droit à la liberté d'expression? Comment promouvoir l'échange des politiciens du monde entier sur les stratégies qu'ils adoptent, sur leurs idées? Nous, le ministère fédéral de l'économie et de l'énergie, nous soutenons l'IGF et notre ministre qui vous transmet le bonjour vient d'ouvrir la première session consacrée aux députés. Et le ministère et tous les représentants du ministère sont donc très fiers que vous avez accepté l'invitation à passer cette conférence ici dans notre ville de Berlin. Je vous souhaite une belle journée de conférence très fructueuse avec des échanges enrichissants et nous nous réjouissons d'ores et déjà de participer à la conférence qui va se tenir l'année prochaine en Pologne. Je vous souhaite donc une très belle journée et je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le délégué. Si vous auriez été ici lors de la cérémonie d'inauguration, vous auriez pu entendre les mots de commémoration qu'a prononcé M. Durz pour commémorer Jimmy Schultz. Donc je vous prie de bien vouloir vous inscrire sur les listes condoléances et peut-être également de laisser un petit message à titre personnel.
Donc maintenant, j'aimerais passer la parole à Monsieur Hans-Jörg Dodds, qui est membre du Bundestag allemand, qui est le président de la Commission européenne parlementaire pour l'agenda numérique. Donc soyez le bienvenu, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Et tout d'abord, j'aimerais remercier Thomas Hjertsenbeck pour ses mots d'introduction. En tant que membre d'une commission parlementaire de laquelle il est membre au début de cette législation, et je suis donc très content qu'il y ait un membre du gouvernement qui fait les éloges de ce sujet très important. Permettez-moi de me rallier à ce qu'il vient de vous dire et de rajouter encore quelques détails. Un grand merci donc au gouvernement fédéral et notamment au ministère fédéral de l'économie et de l'énergie d'avoir fait les publicités en quelque sorte pour l'organisation de IGF ici en Allemagne. Merci de l'avoir soutenu. Merci d'avoir réussi à organiser cette conférence de manière si réussie. Merci de ne pas avoir ménagé vos efforts pour organiser donc cette grande conférence. Merci à tous les membres du ministère fédéral de l'économie et de l'énergie. Je voudrais également remercier les membres du Bundestag allemand parce que cette conférence remonte à l'initiative d'une série de députés. Il y avait quelques membres du Bundestag allemand, donc du Parlement allemand, qui participent depuis de longues années aux conférences qui sont organisées dans le cadre du IGF, dont, entre autres, Jimmy Schulz et son équipe. Ils ont beaucoup réalisé, beaucoup atteint afin de renforcer la participation et l'influence des parlementaires dans ce forum. Je vous en remercie. Les députés tels que Jimmy Schulz ont compris déjà à un stade très précoce quelle est l'importance d'Internet et à quel point il est important de participer à façonner cette artère de notre vie de tous les jours. Ils ont compris à quel point il est important de faire participer les représentants de la société civile, de la communauté technologique et également les députés. L'année dernière, lors du IGF 2017, nous avons finalement compris cette nécessité. Lorsque nous avons participé à la conférence de Paris, à cette occasion, nous avons constaté qu'un grand nombre des discussions de notre quotidien ont trop peu trait à Internet et à ce sujet d'importance. Aujourd'hui, nous savons que les choses ont bougé et c'est grâce à vous tous, parce que vous, en tant que députés du monde entier, vous avez accepté donc l'invitation à participer à l'IGF et cela montre à quel point c'est important et c'est vraiment une grande réussite, non seulement pour ce forum, mais également pour les débats que nous menons chaque jour dans nos parlements. Parce que je suis sûre que vous allez transférer et amener les impressions que vous avez eues ici et les leçons que vous avez tirées ici dans vos discussions. J'espère que vous avez eu des échanges très fructueux, des discussions enrichissantes et j'espère que l'avenir aussi, la participation des députés ne sera pas considérée comme quelque chose de superflu parce que nous sommes tous réunis dans la conviction qu'il est important de discuter et nous espérons d'en faire une tradition pour l'avenir de l'IGF. Il y a d'autres traditions du IGF que nous souhaitons renforcer également au lieu de les saper. Les participants du IGF se considèrent comme les combattants, les pionniers d'un Internet libre et ouvert, un Internet qui est accessible pour tout le monde, un Internet qui relie tous les individus du monde entier, un Internet qui est au service des êtres humains.
En participant à l'IGF, nous souhaitons renforcer le débat autour des atouts et du renforcement des structures libres d'Internet. Cela est crucial et vital parce qu'actuellement, nous sommes confrontés à deux défis majeurs qui ont été mentionnés par Thomas Zambek. Premièrement, c'est les convictions des êtres humains. Deuxièmement, ce sont les technologies. Tout d'abord, pour ce qui est des êtres humains, de leurs convictions. Il y a certains États qui pensent qu'un intranet est préférable qu'une connexion à l'Internet global. Et ils pensent que cela fait que les principes de liberté sont échappés. La politique du numérique est finalement prise au sérieux. Il est considéré comme un champ politique à part. Et finalement, les réflexions politiques sont également appliquées dans le domaine d'Internet. On peut également dire que les défis du numérique sont combattus par des outils conventionnel et traditionnel, ce qui n'est pas forcément un véritable progrès. En fin de compte, l'évolution technologique présente des défis. Ils sont en quelque sorte le moteur de notre vie dans le numérique. Toutes les applications qui doivent leur existence à Internet ne sont pas forcément considérées comme des progrès. Très longtemps, Internet a été considéré comme un moteur d'un concept théorique qui s'inspire de l'ère des Lumières. Les représentants des États occidentaux sont convaincus depuis très longtemps qu'Internet peut contribuer au processus de démocratisation, mais ce n'était pas toujours comme ça. Pendant l'époque de Immanuel Kant, il fallait vraiment faire preuve de courage pour recourir à sa propre réflexion, pour ses propres réflexions. Aujourd'hui, il suffit de tout simplement se servir d'un smartphone et cela a des impacts énormes. Parce que nous n'avons pas seulement à disposition tout le savoir du monde entier dans notre poche, mais cela peut également avoir des conséquences un peu bizarres. Quand on entre Immanuel Kant sur Google, Google va tout de suite afficher aussi une photo, une image de son plus grand adversaire. Et ça, c'est quand même un peu douteux parce que c'est d'ailleurs un certain monsieur Jacobi. D'ailleurs, les contributions et les documents qui ont été publiés par ce monsieur Jacobi sont automatiquement mis en lien avec Immanuel Kant. Donc cela n'est qu'un seul exemple à quel point les algorithmes peuvent avoir un impact sur les connaissances culturelles qui peuvent nous mener dans une direction tout à fait erronée. Il est un peu pareil en ce qui concerne les fournisseurs d'accès à Internet. Au début de ce processus, ils étaient considérés comme les grands pionniers, les héros d'Internet. À l'heure actuelle, il faut se poser la question de savoir si ces monopoles qui se sont formés sont toujours justifiés. Donc, il n'est pas surprenant que, outre les aspects de sécurité et les aspects d'accès à Internet, il faut également réfléchir sur les nouvelles règles pour l'Internet et que ces sujets ont été mis sur l'agenda de l'IGF. 30 ans après l'invention de la voiture, on a commencé à travailler sur les réglementations, sur les règles routières. Aujourd'hui, 50 années après la création d'Internet, nous penchons justement sur la réglementation de ce grand phénomène. Lorsque nous sommes réunis pour la première fois dans un cercle de députés, pour discuter des défis que présente Internet,
au Day Zero, donc lors de la première journée, a été vraiment couronnée de succès, non seulement à cause de la quantité de députés qui y ont participé, mais aussi à cause des sujets qui ont été abordés. L'intelligence artificielle, le maintien de caractère ouvert et les chances que présente Internet à l'avenir. Les discussions ont montré que les députés se mettent en réseau avec une rapidité qui est semblable à la connexion qui se passe entre les smartphones. Donc apparemment, il y a une certaine interopérabilité. Ce qui était encore plus réjouissant, c'est le moment de résumer. Parce qu'il fallait vraiment appeler tous les participants de regagner leur place parce que les discussions qu'ils ont menées entre-temps étaient tellement intenses et tellement enrichissantes. Mesdames, Messieurs, je vous invite à vous rallier à notre combat en faveur de ce caractère unique et libre d'Internet. C'est un appel que je vous lance, coopérant ensemble pour surmonter les fractions et les séparations. J'étais très content que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé la mise en place de la fonction d'un chargé du numérique auprès des Nations Unies. Cela doit contribuer à la meilleure prise en compte de ce sujet. Au sein du IGF, nous n'avons pas seulement un seul chargé ou un seul député, délégué, mais toute une série de délégués qui sont responsables de ce sujet. Ils vont vous présenter à tout à l'heure les débats que nous avons menés et que nous comptons mener à l'avenir. Je vous remercie d'avoir participé à toutes ces discussions et je me réjouis de vous retrouver lors du IGF 2020 en Pologne. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Dutz, d'avoir partagé votre réflexion avec nous, d'avoir nommé les grands défis. Vous venez de le dire, nous attaquons maintenant les résumés des ateliers proposés par des parlementaires allemands et internationaux. Nous commençons par l'intelligence artificielle. J'accueille Madame Anna Christmann, membre du Parlement allemand, et Alexandra Geise, membre du Parlement européen. Soyez les bienvenus à l'estrade. Yeah, good morning everyone. Good to see you all here. Bonjour à toutes et à tous. C'est bon de vous retrouver ici au sein de l'IGF, d'une conférence de la plus haute importance pour évoquer l'importance des technologies et notre avenir. Quid de notre rôle, de notre impact sur cet avenir, comment le préparer? Je m'appelle Anna Christmann, je fais partie du Parti Vert et de la commission d'enquête autour de l'intelligence artificielle au sein du Bundestag allemand. Nous évoquons les questions tournant autour de l'intelligence artificielle et ce depuis 2 ans. Donc nous avons nous présenterons un rapport assez complet autour de ce dossier l'an prochain. Lors de ce type de rendez-vous, lorsque nous abordons l'IA sur un plan global, puisque de toute façon l'IA a déjà un impact global, il est donc très important de se parler au niveau mondial. Pendant 3-4 minutes, je présenterai mon petit résumé. Je passerai ensuite la parole à ma collègue du Parlement européen, Madame Geise. Tout d'abord, il me semble capital que nous autres législateurs veillons à ce que
l'intelligence artificielle soit une technologie dont nous saisissons toutes les opportunités, tout en garantissant que cette technologie soit fructueuse pour notre démocratie, pour nos valeurs libérales, et cela ne va pas de soi. Il y a du travail à faire. Notre objectif en tant que législateur devrait être de développer l'IA pour profiter donc des valeurs, tout en respectant les droits humains et la durabilité. Pour y parvenir, nous avons besoin de standards internationaux dans tous les domaines d'application de l'IA. Et là où il y a besoin de restreindre, voire de bannir, dans le domaine des armes, par exemple, mortelles, c'est là un exemple négatif de l'intelligence artificielle. Mais nous pouvons tirer beaucoup de profit pour les êtres humains, pour l'environnement de cette technologie. C'est un rôle très important pour nous autres législateurs de bien jauger, de bien construire l'avenir par rapport à ces nouvelles technologies. Il faudra beaucoup de temps et d'énergie pour aboutir à des accords internationaux. Mais il n'y a pas de plan B. Et je pense que des conférences telles que celle-ci sont les bienvenues pour aborder ces sujets. Le gouvernement allemand a publié une stratégie IA il y a un an. Évidemment, il y en a beaucoup en Europe, dans d'autres pays également, ce type de stratégie IA. Mais je crois que cela ne suffit pas. Tous les pays ne peuvent pas prétendre à être champion mondial de l'IA. Il nous faut une approche mondiale. Il nous faut des standards mondiaux pour tirer le bon parti de cette technologie. Nous sommes un petit pays, l'Allemagne, et il y a beaucoup de petits pays dans le monde. Donc, nous ne devrions pas tendre vers un leadership global dans cette technologie, mais nous devrions unir nos forces. Des standards globaux pour l'IA sur un plan technologique, mais aussi éthique. Il nous faut adopter des standards pour les robots, par exemple, pour qu'ils soient sûrs. Il faut bien comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. Et donc, il faut bien l'expliquer. Il est important que les uns et les autres saisissent ce qu'est cette technologie. Donc, il faut vulgariser. Il faut faire en sorte que tout un chacun puisse comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. Je crois que c'est très important pour les législateurs. Il faut nous associer les uns et les autres grâce à l'éducation, la sensibilisation. Il faut que les citoyens comprennent ce qu'est l'IA. Nous avons donc cette commission d'enquête ici en Allemagne. C'est un outil qui permet justement d'atteindre cet objectif, d'associer les uns et les autres à ce débat et de voir quels sont les domaines dans lesquels nous souhaitons avoir plus d'intelligence artificielle et dans quels domaines nous souhaitons que l'être humain reste au cœur des dispositifs. C'est donc un défi de taille qui nous est lancé par rapport au marché du travail aussi, un dernier aspect. C'est là aussi un débat assez global. Les gens ont peur de perdre leur emploi en raison de l'automatisation et parce que l'IA va remplacer l'humain. Mais je crois que c'est trop simpliste. Cette évolution est beaucoup plus complexe. Elle comporte beaucoup d'opportunités. Or, ces angoisses, ces craintes, il faut les prendre au sérieux parce que les gens le pensent. Là aussi, à nous d'engager un débat ouvert, inclusif. Et il nous faut investir dans l'éducation pour que tout le monde puisse s'engager dans cette direction. Cela me ferait plaisir si nous pouvions donner suite à ce débat sur l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup dont on peut parler, les véhicules autonomes, mais aussi des outils qui peuvent nous aider à résoudre des problèmes en matière de changement climatique, par exemple.
autant donc d'attributions globales qui peuvent profiter de l'intelligence artificielle. Merci. Yeah, good morning from my side. My name is Alex. Bonjour. Bonjour de ma part. Je m'appelle Alexandra Guise. Je viens du Parlement européen. Oui, c'est un défi de vous brosser un panorama des débats qui se sont tenus sur l'IA pendant l'IGF. Il est vrai qu'il y a des opportunités, mais il y a aussi des défis. C'est vrai de l'IA et c'est vrai de cette attribution. Cela m'a fait plaisir que le débat sur l'IA ait été lancé par un réseau d'organes que l'on pourrait considérer comme étant des experts de l'IA, mais c'était le réseau d'égalité. Ils ne sont pas spécialistes technologiques, mais ils sont experts en matière d'égalité. Et c'est là un problème qui se pose dans le cas de l'IA. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais l'IA devrait servir tout un chacun, les femmes et les gens handicapés, par exemple. Et nous savons que cela n'est pas suffisamment pris en compte en ce moment. Ce sont donc les organes nationaux de l'égalité qui ont présenté que 70% des spécialistes ne travaillaient pas sur les meilleures pratiques pour lutter contre la discrimination en matière d'IA. C'est une attribution pour nous autres parlementaires qui représentent toute la population. Un autre atelier évoquait la fracture numérique entre l'Europe et les États-Unis et l'Afrique. UN Global Pact des Nations Unies évoquait l'IA comme étant un bien global qui promet beaucoup, mais qui comporte aussi des risques en matière de reddition des comptes. Et l'Union africaine a bien accueilli en fait une initiative comme quoi il faudrait commencer vraiment à la base. Et les participants ont été informés de la déclaration de Sharm el-Sheikh. Les parlementaires ont tenu un atelier tournant autour de la démocratie, bien sûr, et de la paix. Une série de recommandations ont été présentées par différents organes globaux. Le Conseil de l'OCDE, par exemple, a présenté les principes de l'OCDE sur l'IA de mai 2019 pour un pilotage responsable de l'IA. Le rapport de l'UNESCO est également sur un pilotage avancé pour les sociétés du savoir. Un droit positif à l'information qui a été endossé, droit à une meilleure connectivité Internet. Et lorsqu'on évoque la connectivité Internet, il faut considérer qu'en Afrique, par exemple, cette connectivité n'est pas donnée partout. L'IA va sélectionner des nouvelles, des informations dans un pool de données. Il faut veiller à cela aussi. Il y a eu une opinion partagée comme quoi l'IA doit placer l'être humain au centre du dispositif et que nous avons besoin d'une approche multipartite. Il convient de considérer les droits humains et évidemment mettre en œuvre les ODD. Puisque je suis du Parlement européen, je soulignerai que la Commission européenne, qui vient juste d'avoir été adoubée la semaine dernière, souhaite mettre en place un cadre pour les implications de l'intelligence artificielle et cependant les premiers 100 jours de service. Il y a aussi un standard sur la protection des données et c'est peut-être un nouveau standard global pour les implications humaines et sociales de l'IA qui en découlera. C'est un appel que nous lançons à tout le monde.
il faut que tout le monde en parle, pas seulement les spécialistes. Les spécialistes ont leur rôle d'expliquer le pourquoi du comment à tout le monde. De quoi cette intelligence artificielle est-elle capable? Comment peut-elle faciliter notre vie? Mais ensuite, il faut que toutes les parties prenantes viennent autour de la table pour savoir comment utiliser au mieux l'intelligence artificielle. Thank you very much for summarizing this. Merci beaucoup d'avoir résumé. Nous en arrivons à une coopération internationale sur un Internet ouvert et sûr. Ça fait longtemps qu'on s'intéresse à cette question. Nous accueillons Ulrich Lecht du Parlement allemand, qui arrive d'abord tout de suite et qui sera rejoint ensuite par Leonid Levin du Parlement russe. S'il vous plaît. Ah, that's so tief wie es sein soll. Exzellenzen. Excellence, mesdames et messieurs, chers collègues qui sont parmi nous ce matin, c'est un honneur de pouvoir intervenir sur l'atelier sur un Internet ouvert. Et nous avons une large participation de différents parlementaires du monde entier, d'Égypte, de la République démocratique du Congo, du Burundi, du Nicaragua, du Brésil, du Bangladesh et d'autres. Et j'aimerais les remercier tous chaleureusement qui ont contribué au succès de cet atelier sur la coopération internationale sur un Internet sûr et ouvert. Et nous étions vraiment très curieux de voir comment les choses allaient se dérouler. Nous avons été ravis que vous ayez été aussi nombreux. Et un représentant de la Russie, malheureusement, n'a pas pu participer à notre atelier car il a été impliqué. C'est la raison pour laquelle notre collègue russe, Leonid Levin, aura l'occasion d'intervenir. Il est de la Douma après mon intervention et c'est la raison pour laquelle je vais me concentrer uniquement sur les résultats de notre atelier. Et il ne s'agit pas de mon avis personnel. Donc, il y a des conceptions assez différentes et c'est le cœur même, en fait, du parlementarisme. Et c'est d'ailleurs le charme de notre travail, à savoir que nous avons toujours quelque chose dont nous pouvons discuter et que nous avons tous des conceptions différentes de la façon de réaliser les objectifs. Mesdames et messieurs, donc, je vais commencer par l'accès à Internet. Pour nous, ici présents dans cette salle, le Wi-Fi est une évidence. Bon, les Allemands appellent ça le VLAN. Et parfois, on constate qu'il y a souvent trop d'appareils connectés, ça ne fonctionne pas forcément bien. Et dans le Parlement du Paraguay, il y avait trop d'appareils connectés, ce qui limite considérablement la vitesse. Beaucoup de personnes dans le monde n'ont pas d'accès à Internet, et en particulier dans les régions pauvres. C'est la raison pour laquelle nous étions d'accord dans le cadre de notre atelier de dire que toutes les personnes devraient être connectées à Internet, en particulier les pauvres de ce monde. Et nous n'étions pas, et ce n'est pas surprenant, de la façon de réaliser cet objectif. Certains souhaitent que l'accès à Internet soit un droit humain, d'autres étaient contre et estimaient que c'était au marché de faire son travail et estiment que ce serait certainement la matière la plus efficace de réaliser cet objectif. Nous étions d'accord également que les différents pays ont besoin d'un soutien pour le développement de l'Internet. Nous étions d'accord également qu'il était important d'avoir une tarification ou une taxation juste du commerce électronique pour que ces recettes soient partagées entre les différents États. Concernant l'accès à Internet, la discussion portait sur le fait que les personnes ne devraient pas avoir accès qu'à une partie d'Internet, mais à l'ensemble de l'Internet. Nous souhaitons empêcher une fragmentation de l'Internet pour revenir au slogan de cette IGF, à savoir un monde, un réseau, une vision. Nous sommes en majorité exprimés contre la censure sur l'Internet et la limitation des contenus. Même si nous ne pouvons jamais complètement exclure qu'il serait nécessaire de le faire pour des questions de sécurité. Mais mon appel serait que nous respections les droits de l'homme et en particulier pour les États membres des Nations Unies, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme et il y a dans l'article 19 spécifié la liberté d'expression. Très bien. C'est merveilleux que tout fonctionne. Donc, l'article 19 stipule la liberté d'expression et l'article 20 stipule le droit de réunion.
Et c'est un droit qui s'applique, bien entendu, sans aucune restriction en ligne. Concernant les aspects de sécurité, nous avons parlé de la protection des données personnelles et nous étions tous d'accord pour dire que c'est un thème très important, à savoir que dans l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien, il y a ce droit qui est mentionné et il est important, bien entendu, d'avoir les moyens de faire respecter ce droit. Et en mémoire de Jimmy, nous avons parlé de la possibilité d'avoir un cryptage de bout en bout pour que les données personnelles des personnes puissent être protégées véritablement des États et des groupes, des entreprises. Donc ça, nous l'avons signé encore. Il est également important pour la sécurité des données que nous coopérions pour lutter contre la criminalité ou la cybercriminalité, car cette cybercriminalité ne s'arrête pas, bien entendu, aux frontières et nous souhaiterions lancer un appel, à savoir que de nombreux États signent la convention ou ratifient la convention de Budapest, convention de 2001. Il est important de le faire car le temps avance. Nous avons parlé également des risques et des monopoles de l'Internet et nous souhaitons qu'Internet soit un espace ouvert pour de nouvelles idées, pour de nouveaux modèles commerciaux, comme l'a dit l'intervenant précédent. Pour ce faire, nous avons besoin d'un droit de la concurrence qui soit efficace. Il faut que, d'une part, la constitution de monopoles soit anticipée et que, d'autre part, là où il y a des monopoles ou des quasi-monopoles qui se sont déjà constitués, il est important qu'il y ait une intervention régulatoire pour que les plateformes restent ouvertes à la concurrence et que l'on ait une véritable égalité des chances qui puisse être garantie. Et j'aimerais également mentionner une chose sur laquelle nous étions d'accord, à savoir que l'Internet est un outil pour l'ensemble de l'humanité, pas pour un certain nombre d'entreprises ou d'États. Et en tant que parlementaire, nous saluons expressément cette approche multipartite du Forum pour la gouvernance de l'Internet et je vous remercie de votre attention. Bonjour, mesdames et messieurs. Je représente la Fédération russe et le Parlement de la Fédération russe. C'est la raison pour laquelle j'interviens en russe. Je suis le président de la Commission sur l'information et les technologies de l'information et des télécommunications du Parlement russe. Je vous remercie d'avoir l'occasion d'intervenir aujourd'hui dans le cadre de ce forum si important et de ce panel aussi très important. Et d'avoir la possibilité de vous présenter la position de la Russie. La base juridique qui réglemente la question posée, à savoir les liens qui unissent la société à l'Internet, eh bien, cette discussion est menée depuis plusieurs années, mais nous avons constaté une nouvelle tendance ces dernières années lorsqu'il s'agit de la souveraineté numérique dans les différentes régions du monde. Et cela est lié étroitement aux différentes menaces qui existent dans le cybermonde avec les différents hackers, les attaques contre le monde numérique, contre les différentes infrastructures énergétiques ou de transport qui menacent des régions entières de l'effondrement. Et il s'agit également du harcèlement en ligne et d'autres attaques contre les personnes et contre les données des personnes. Il s'agit d'attaques contre ce moyen de communication universel. Il faut certainement mettre en place des barrières pour garantir les libertés des personnes. Et le mur de Berlin, dont on a beaucoup parlé, est tombé il y a 30 ans, mais à présent, de nombreux gouvernements, de nombreux États dans le cybermonde souhaitent construire des murs similaires. Des idées ont déjà été formulées pour la mise en place de restrictions. Cela avait déjà été mentionné lors du dernier GIF. Et depuis le dernier GIF, les parlements du monde entier doivent commencer, bien entendu, à entreprendre des mesures concrètes pour pouvoir adopter des législations correspondantes. Et l'IGF est un forum d'experts, mais il est clair ici que les sociétés ont besoin de recommandations concrètes. Et
le travail de l'IGF est de plus en plus important pour les réflexions dans ces différents pays et les recommandations spécifiques sont également un apport important. C'est la raison pour laquelle la résolution sur l'Internet de l'ONU, bien entendu, doit être clarifiée dans l'ensemble de ce forum. Il était important également de voir également comment est-ce que le statut de l'IGF peut évoluer pour que l'IGF devienne une véritable plateforme dans le cadre de laquelle des documents contraignants des Nations Unies puissent être adoptés pour que toutes les questions contradictoires puissent être clarifiées ici. La chancelière fédérale allemande, Mme Merkel, a mentionné lors de l'inauguration qu'il serait pertinent que les conventions internationales puissent être transférés dans les législations nationales et que l'IGF ici pourrait jouer un rôle important. Un autre défi pour notre civilisation contemporaine est l'intelligence artificielle. Il s'agit de questions sociétales qui se posent et de nombreuses tâches devront être assumées par les administrations et cette approche multipartite est traditionnellement appliquée à la gouvernance de l'Internet et cela devrait également s'appliquer au domaine de l'intelligence artificielle. Ici, il est important que ce processus de la gouvernance étatique permette de déboucher sur des solutions qui soient ouvertes et harmonisées. Et depuis la Convention de Budapest de 2001, Internet s'est considérablement développé et certains pensent que de nombreuses parties de cette déclaration de Budapest sont quelque peu dépassées. Il y a également la nécessité ici d'adopter une convention. Au mois de novembre, il y a eu des consultations qui ont été menées entre la Russie et la France. Et l'on a constaté que nous devons apprendre à mieux nous comprendre pour pouvoir réagir plus rapidement face aux défis qui se posent. Il s'agit également de la collaboration entre la Russie et le Japon. Et au mois de novembre de cette année, l'Assemblée générale des Nations unies a présenté un projet de nouvelle résolution pour que l'intelligence artificielle puisse ou éviter que cette intelligence artificielle soit utilisée à des fins criminelles. Les instruments de blocage universel sur Internet sont également une question importante, mais c'est une question et ignore souvent que le nombre croissant d'attaques dans le monde de la cybersécurité augmente et que la lutte contre la cybercriminalité gagne en importance. Et il s'agit peut-être pour certains de ne pas vouloir assurer leurs responsabilités dans la lutte contre la cybercriminalité. Ces dernières décennies, il y a eu une augmentation du nombre de législations, mais également une inflation de terminologie. La Fédération russe souhaite qu'une convention internationale soit rédigée pour réglementer l'utilisation de l'intelligence artificielle et de mener une lutte contre la cybercriminalité au niveau international. Internet a été ouvert pendant de nombreuses années. C'était une technologie transfrontalière. Et nous constatons à l'heure actuelle une sorte de bactanisation de l'Internet. Notamment dans le domaine de la réglementation, nous sommes confrontés à de nouveaux défis. Et cela nécessite une nouvelle coopération internationale qui soit en mesure de pouvoir suivre le rythme de l'évolution technologique. On peut estimer qu'à l'heure actuelle, eh bien, que c'est une maladie infantile du réseau, mais je suis convaincue que nous parviendrons, en collaborant ensemble, de créer de nouvelles normes internationales pour que nous puissions véritablement avoir un bon développement du monde numérique. Mesdames et messieurs, chers collègues, il faut que nous soyons plus actifs. Il faut que nous prenions des initiatives pour que nous puissions créer un espace juridique commun. Il est important d'inciter nos gouvernements à se pencher sur la question et
Il faut mentionner encore que ces normes sont nécessaires et que ce n'est pas que les parlementaires qui le disent, ce ne sont pas uniquement les experts qui le disent. C'est quelque chose que disent également les dirigeants de nombreuses entreprises internationales. Beaucoup parlent déjà depuis de nombreuses années du fait qu'ils attendent de la communauté internationale que des règles harmonisées soient mises en place pour que leurs services, qui sont disponibles à l'international, puissent s'appliquer dans un cadre de règles concertées. Et nous souhaitons aider nos citoyens et nos citoyennes pour créer une telle réglementation dans ce monde numérique. Je vous remercie de votre attention. Merci de vos réflexions, messieurs. Et nous allons approfondir la question sur la question de savoir comment sécuriser les infrastructures critiques. Et nous allons se faire avec Ronja Kamma, qui est membre du Parlement allemand, et Charles Mock, qui est membre du Conseil législatif pour l'administration de la région spéciale de Hong Kong. Bienvenue sur scène. Mesdames et messieurs, je m'appelle Ronja Kamma et je suis membre du Parlement allemand. Et je pense que la discussion menée, ou les discussions menées au cours de l'IGF cette semaine, ont montré très clairement qu'un Internet ouvert et libre est nécessaire dans son architecture pour une concurrence qui soit juste, mais c'est également nécessaire pour la démocratie également. Et Internet, bien entendu, a une importance croissante sur notre quotidien. Et c'est la raison pour laquelle une gouvernance efficace internationale n'est pas possible aujourd'hui sans une stabilité du réseau. Et si vous voulez poursuivre cet objectif d'un Internet libre, eh bien, l'une des exigences principales est l'infrastructure sous-jacente. Et nous avons entendu déjà dire aujourd'hui et lors des journées précédentes que cette architecture commune est soumise à une forte pression et c'est dû à plusieurs raisons. D'une part, certains pays ont tendance à vouloir fragmenter l'Internet pour créer des Internets fermés nationaux. Et l'un des résultats des discussions de la semaine est qu'il y a en fait un consensus large sur le fait que nous devons travailler à tous les niveaux pour empêcher une progression de cette fragmentation de l'Internet. Et il est important que les États ou que l'ensemble des régions qui ont tendance à vouloir fragmenter les régions, eh bien que nous prenions des mesures contre cela. Et d'un autre côté, il y a de nouveaux défis qui se posent à la sécurité et à l'infrastructure de l'Internet. Et la contribution de l'IGF a montré qu'en particulier en ce qui concerne les nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle, les mégadonnées, l'Internet des objets, nous posent de nouveaux défis. Et vu les attaques, eh bien, celles-ci nous montrent que nous sommes confrontés à des problèmes assez graves, à savoir que si ces attaques réussissent, eh bien, cela entraîne un effondrement de certaines cibles. Cela peut empêcher, par exemple, la production d'énergie et cela peut également entraîner des perturbations de la circulation routière. Et les services publics de base, tels que le secours en cas d'accident, peuvent être bloqués. D'un point de vue économique, cela peut générer des pertes financières, et ce d'ailleurs dans tous les pays du monde. Selon une étude, les entreprises allemandes, ces deux dernières années, entre 2016 et 2018, ont perdu près de 33 millions d'euros du fait des attaques Internet. Milliards d'euros, 33 milliards d'euros pour les attaques cyber. Et nous sommes confrontés à ces risques tant en tant que citoyens entreprises, car le risque est une perte de confiance dans les processus numériques. Car si nous ne parvenons pas à protéger davantage les infrastructures critiques. Et la Commission sur la stabilité du cyberespace a publié son rapport final il y a deux semaines et la proposition est de protéger en fait les éléments clés de l'architecture pour
principaux pour les protéger des attaques qu'elles soient gouvernementales ou pas. Et cet objectif ne peut être atteint que dans le cadre d'une approche multipartite, en particulier en ce qui concerne une législation commune, mais également des mesures d'application commune de ces lois. À mon sens, c'est exactement la voie que nous devons suivre. Du point de vue allemand, nous sommes engagés à renforcer cette approche multipartite. Nous avons besoin d'un dialogue constructif entre, bien entendu, les États et les représentants de l'État, mais également entre les organisations internationales, les entreprises, la science et la société civile. C'est la première fois cette année que je pense qu'un tel engagement des parlementaires a eu lieu dans le cadre de l'UGF. Et je pense que nous devons continuer à poser les fondements de cette collaboration pour l'avenir. Donc, sur la base du succès de ces derniers jours, bien entendu, la gouvernance de l'Internet ne finit pas avec la fin de l'UGF, mais l'essentiel est que nous continuions ce travail. Et c'est notre tâche à présent de porter ces résultats auprès de nos responsables respectifs et de continuer à travailler avec engagement à ces thèmes. Et bien entendu, la responsabilité pour la structure de l'Internet ne dépend pas uniquement des législateurs ou des agences de réglementation, même si je pense qu'il a été très, très clair lors des différentes interventions de l'ICANN, mais également de l'UIT, que les États ont un rôle très important à jouer, ainsi que ces différentes agences. Mais la responsabilité revient également à tous les utilisateurs, car c'est leur responsabilité de faire preuve d'une certaine cyberhygiène et d'assurer que leurs données soient bien protégées, qu'ils utilisent des mots de passe et qu'ils le fassent également avec les outils adaptés. Il est important que nous créions davantage de sensibilisation, de prise de conscience également de la nécessité d'une gouvernance de l'Internet. En particulier, il est important de promouvoir également une meilleure compréhension de la technologie et que nous menions également un débat social en incluant dans ce processus les responsables politiques. Et je suis convaincue que nous pourrons le faire. Et si vous voyez la passion et la détermination des personnes ici présentes du monde entier au cours de ces derniers jours, j'espère que vous êtes aussi optimiste que moi. Je vous remercie. Hello, hello everybody. Bonjour, je suis Charles Mark et je suis membre du conseil législatif de la zone de gouvernance spéciale de Hong Kong. Moi, j'ai participé à la première fois dans cette fonction à l'IGF. Par le passé, je ne participais pas en tant que député. C'était quoi soit en tant que représentant de l'industrie, soit en tant que représentante de la société civile. Lorsque j'étais, par exemple, président de la société d'Internet de Hong Kong, j'ai donc déjà adopté plusieurs perspectives lors de la participation à l'IGF. Maintenant, je vais adopter encore une nouvelle perspective, une nouvelle optique, en parlant en tant que représentant d'un Parlement. Et j'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur les possibilités que nous avons pour apporter nos idées. Au cours des dernières années, le développement des nouvelles technologies et des infrastructures a été un sujet primordial pour le gouvernement du Hong Kong. Internet est un outil qui est au service des citoyens pour de nombreux domaines différents. Très souvent, pourtant, en sorte un problème. Un grand nombre de députés qui souhaitent promouvoir Internet et les nouvelles technologies ne se connaissent pas suffisamment mutuellement. Et lorsqu'il s'agit de promouvoir justement ces nouvelles technologies,
les citoyens expriment leurs préoccupations, leurs craintes. Et très difficile était de réagir face à cela. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de réseaux, d'un réseautage entre les députés du monde entier. Cela nous permettrait de réunir nos efforts en termes de diffusion des connaissances, en termes de solutions, etc. À Hong Kong, nous avons plusieurs initiatives de Smart City, de vie intelligente, mais trop souvent, on nous heurte à la problématique que nous devons expliquer aux citoyens les avantages que présentent ces villes intelligentes. Comment faire en sorte que les citoyens aient confiance dans ces activités, parce que la protection des données soulève, surtout quand ils sont dans la main des gouvernements, soulève des craintes. Et cela est d'autant plus vrai lorsqu'on a affaire avec des gouvernements auxquels on se méfie plutôt qu'on a de la confiance. Face à la situation particulière dans mon pays, il faut constater que nous avons un point très délicat. Nous avons déjà parlé des différents problèmes en matière de cybersécurité, des infrastructures critiques. Vous avez peut-être une perspective un peu différente parce que vous pouvez vous fier ou baser sur le soutien de votre régime démocratique. Mais chez nous, la situation est différente. Quand il s'agit de coopérer avec les grandes entreprises quand il s'agit de trouver d'autres solutions, il faut admettre que les solutions qui ont été trouvées dans d'autres régions du monde ne sont pas forcément transférables ou on ne peut pas tout simplement les copier dans ma région. Il faut donc essayer de trouver des solutions communes pour ces questions épineuses qui sont soulevées par les nouvelles technologies pour les gouvernements, mais aussi pour les parlements et la société civile. Thank you very much, Charles Mok and Ronja Kemmer. Merci beaucoup. Il y a encore deux résumés qui sont présumés. Donc, le prochain sujet, c'est la question de savoir comment maintenir la paix à l'ère numérique. J'aimerais donc passer la parole à Marianne Aiza, qui est membre du Parlement de l'Égypte, et M. Jens Zimmermann, membre du Parlement allemand. Je vous prie, vous avez la parole. Bonjour. C'est tout ce que je peux dire en allemand. Mesdames, Messieurs les députés, les collègues du monde entier, j'aimerais tout d'abord remercier le gouvernement allemand d'avoir organisé cette rencontre de parlementaires. C'était un grand plaisir pour moi d'être parmi vous et d'avoir l'occasion d'exprimer mes remerciements à l'IGF qui a bien vouloir commémorer Dr. Tariq Al-Farizi qui vient de décider, Monsieur Tariq Kamel. J'aurais une question. Est-ce que nous nous intéressons vraiment de la paix à l'ère numérique? Et effectivement, je pense qu'on le fait. Nous le faisons. L'Internet va, à l'avenir, certainement soulever
toutes sortes de conflits. Lors de la cérémonie d'ouverture, le secrétaire général des Nations Unies a soulevé toute une série de questions très importantes. Premièrement, dans quelle direction va nous amener les nouvelles technologies? Deuxièmement, est-ce que nos droits et nos libertés seront plutôt élargis ou limités? Et qu'en est-il de la paix? Et troisièmement, est-ce que nos sociétés seront traitées sur un pied d'égalité? Et moi, j'aimerais ajouter une autre question. Quel est l'impact de cette fracture numérique sur la paix? Et j'aimerais également vous poser la question de savoir quel est l'impact de la cybersécurité sur la paix. Je voudrais donc aborder ces défis et nous, en tant que députés, on a l'habitude de voter en levant les mains. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, veuillez lever votre main. Donc, premier défi, comment créer un cadre pour protéger les citoyens sans contre les technologies de surveillance? Veuillez me faire signe. Merci donc d'exprimer votre voix. Dans ce contexte, il s'agit des possibilités que présentent les différents types de technologies de surveillance. Il s'agit également de la responsabilité que les gouvernements doivent assumer. Deuxième défi, comment trouver un équilibre entre les coûts et les bénéfices qui sont générés dans l'utilisation des biens à double usage. Je rappelle dans ce contexte l'importance du contrôle des exportations. Il y va aussi des politiques qui doivent prendre en considération l'interface entre la sécurité des citoyens et les intérêts économiques des grandes entreprises. Troisième défi, comment traiter et gérer les nouvelles formes de violence qui se présentent sur Internet. En 2025, il y aura 22 milliards d'appareils connectés à Internet, mais jusqu'à présent, on n'a même pas de législation qui est adaptée à cette multitude d'appareils. Quatrième défi, la dignité humaine, la préservation de la paix. Comment résoudre ce conflit d'intérêts, notamment dans le contexte des réseaux sociaux? Lors d'une conférence, il y avait un représentant qui disait que chaque minute, il y a des postings qui correspondent à 500 heures. Donc, il y a effectivement un problème. Et il reste beaucoup de travail à faire. Est-ce que c'est donc important, moins important, ce quatrième défi? Et une autre question, comment nous opposer au mobbing, aux tendances de mobbing, aux discours de haine? Il y a donc vraiment un équilibre à trouver entre l'expression de l'opinion et les actes de violence. Prochain défi, comment traiter cette multitude d'informations qui sont mises à disposition des utilisateurs? Les gouvernements européens optent pour l'autorégulation, l'autodétermination. Mais dans les discussions, on nous avait fait également dit qu'il faut faire une distinction entre le manque d'information à un niveau individuel et un déficit d'information à un niveau large qui est généré par des bots et non pas par des individus. Nous avons également entendu que nous avons besoin de plus de transparence. Cela est notamment vrai pour les grandes firmes et pour leurs modèles commerciaux. Et il y avait d'autres intervenants qui disaient que les grands groupes, les grandes entreprises doivent modifier et restructurer, réorganiser leurs modèles commerciaux. Il y en avait d'autres qui disaient que le droit à la liberté d'expression doit également être régulé par les autorités. Bon,
Là, je viens de citer toute une série de défis. D'après moi, le défi le plus grand, le type majeur, est la paix. Comment est-ce qu'on quantifie ce concept-là? Il y va aussi des tensions géopolitiques et je voudrais vous proposer une série d'indicateurs potentiels. On pourrait par exemple mesurer le nombre de cyberattaques et évaluer le degré de gravité, pour ainsi dire, de ces attaques. On pourrait également se baser sur le pays d'origine duquel est partie cette attaque, cette cyberattaque. Et j'aimerais vous poser une question supplémentaire. Qui est-ce qui sera capable de gérer tous ces défis, de les relever vraiment? La paix est un relève de l'humanité. Mère Thérèse a dit, s'il n'y a pas de paix, nous avons oublié que nous sommes tous liés les uns aux autres. Nous avons donc besoin d'une approche commune. Nous devons nous concentrer sur les droits humains, sur les libertés, sur les lacunes dans les chaînes de distribution. Pour terminer, je voudrais dire qu'il est également crucial d'aller de l'avant pour voir et pour évaluer si les mesures adoptées sont vraiment les bonnes et sont adaptées aux besoins. Ronald Reagan s'est également exprimé dans ce sens. Un monde, un réseau, une vision. Merci. And even though it's the last day here in Berlin, I'd still like to welcome you here. Bonjour. C'est notre dernière journée. Quand il s'agit de la question de la paix, surtout dans le contexte de l'histoire allemande, on peut dire que c'est un des exemples les plus intéressants concernant la tolérance. Et quand on parle des défis technologiques, je pense qu'il était vraiment une très belle idée, très bonne idée d'organiser cette DGF ici à Berlin. Quand il s'agit d'Internet et son lien avec la paix, il y a plusieurs directions qui sont poursuivies. Il y a donc le pouvoir de l'indépendance qui est intrinsèque à Internet. Et puis, il y a également un aspect qui est plutôt concentré sur l'aspect, sur l'optique militaire. Et cela implique bien évidemment des aspects négatifs. Je suis convaincue, nous sommes témoins un petit peu de tous ces deux optiques. Il y a quelques années, quand j'étais conseiller de la Banque mondiale en Afrique, en 2009, entre 2009 et 2012, nous avons constaté que les réseaux ont un véritable pouvoir sur les sociétés civiles quand il s'agit de défis que doivent relever les gouvernements, quand il s'agit d'établir des perspectives à long terme. Aujourd'hui, je me solidarise avec les citoyens du Hong Kong qui se battent pour la liberté également sur Internet. Nous constatons aujourd'hui que des gouvernements utilisent Internet pour des sanctions, pour des fins de censure. Donc, quand il s'agit de la paix dans ce contexte, nous constatons qu'il y a deux dimensions qui méritent notre attention. Internet et la paix sont des défis pour les gouvernements et pour les acteurs non gouvernementaux. Nous avons tous une responsabilité à assumer. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de cette approche multipartite pour promouvoir la sécurité, l'intégrité sur Internet. Donc, nous avons besoin d'un cadre réglementaire, nous avons besoin de règles internationales quand il s'agit de la protection de ces dimensions. Je suis aussi convaincue que nous avons besoin d'une approche qui se base sur les droits humains. Les droits humains doivent être le fondement
de nos efforts en faveur de la paix sur Internet. Donc, lors de la première journée, on a posé la question de savoir quelles sont les capacités et les possibilités dont ont besoin les gouvernements et les pays pour s'opposer aux cyberattaques, pour les défendre. Il y a toujours un grave problème quand il s'agit de ces attaques-là. Notre fondation a publié un rapport selon lequel 50% confirment qu'ils n'ont pas suffisamment de capacité pour battre ces cyberattaques. Actuellement, nous discutons sur la question de savoir si nous avons vraiment besoin de ces capacités. Et bien évidemment, chaque pays a le droit de s'opposer, de défendre, que ce soit en ligne ou hors ligne. Mais nous devons également faire en sorte que les actions qui sont prises par les gouvernements sont proportionnelles. Ma collègue vient de poser la question sur la paix et si la paix est quantifiable. Et je pense qu'elle a déjà donné certaines pistes de réflexion excellentes. Et ça, c'est pour moi une question primordiale. Comment mesurer la paix sur Internet? Et pour y répondre, nous avons besoin de cette approche multipartite. Et je suis donc très content que l'IGF, justement, adopte cette approche multilatérale, multipartite. Donc, je répète encore une fois, nous avons besoin d'une approche qui se base sur les droits humains. On ne peut pas laisser de place, on ne peut pas tolérer les violations des droits humains. Et nous avons tous une responsabilité à assumer, que ce soit au niveau national ou au niveau international, pour garantir la paix, pour garantir que les infrastructures techniques critiques, que les infrastructures de télécommunications soient sûres et paisibles, utilisées à des fins puisibles, afin de pouvoir tirer tout le bénéfice qui réside dans Internet. Je vous remercie et j'espère aussi que vous ayez tiré tous des leçons précieuses et enrichissantes que vous pouvez amener chez vous dans vos pays. Merci. Merci. Est-ce que je peux vous demander de faire comme moi? Pour un Allemand, c'est quand même un peu bizarre d'adopter ce geste, de faire ce geste. Bon, maintenant, je voudrais inviter le dernier intervenant. Il s'agit de l'ère numérique et la question de savoir est-ce qu'il s'agit d'un outil ou plutôt d'un piège. J'aimerais inviter donc Karen Meltier, qui est membre du Parlement européen, à prendre la parole. C'est très difficile pour moi de prendre la parole en tant que dernière intervenante. J'aimerais me présenter brièvement. Je m'appelle Anke Domscheit-Berg, je suis membre du Parlement allemand et je suis le porte-parole du parti de la gauche concernant le numérique. Nous discutons d'un grand nombre de ces sujets qui ont été présentés à tout à l'heure. J'ai animé un atelier lors de la première journée, donc lors de la journée zéro, sur la démocratisation. Et nous avons mené une discussion très intense avec des députés du monde entier, de la Mongolie, par exemple, du Brésil, de Hong Kong, des Maldives, de Salvador, du Danemark, etc. Et bien évidemment aussi de l'Allemagne. Nous avons notamment soulevé trois questions. Premièrement, les défis qui sont soulevés par des monopoles numériques. Nous avons tous convenu que nous avons besoin d'une régulation fiable. Nous avons également parlé de l'ingérence dans les processus électoraux et nous avons
constater que nous sommes tous d'accord que ces problèmes existent et qu'il y a une nécessité de discuter sur des solutions potentielles. Le Brésil nous a présenté un plan de régulation pour promouvoir la transparence, notamment dans le contexte des publicités politiques. En Allemagne, il y avait un groupe de travail qui a travaillé sur la législation dans le domaine du travail. Et il y avait également un député du Parlement de Hong Kong qui nous a parlé de défis très spécifiques et de la problématique de transférer une législation d'un pays à un autre. Il a dit que certaines régulations qui fonctionnent très bien dans un pays peuvent être abusées dans un autre pays à des fins de censure. Nous avons également traité la question de savoir pourquoi est-ce que les monopoles sont tellement puissants et nous avons constaté qu'il s'agit là effectivement d'un défi majeur. Nous étions tous d'accord qu'il faut promouvoir l'interopérabilité et nous sommes même allés un peu plus loin. Nous avons dit qu'il serait bien d'avoir un réseau global. Et quand il s'agit de l'infrastructure sociale, nous nous sommes posé la question de savoir qui est-ce qui pourrait organiser et mettre en place un tel réseau qui n'a pas des buts lucratifs. Qui est-ce qui pourrait s'opposer à la création de monopoles trop puissants? Nous n'avons pas vraiment trouvé une solution. Je pense quand même que la plupart d'entre nous a opté pour les États-Unis, mais je ne pense pas que tout le monde se rallierait à cette position. Il y a déjà des fusions qui existent et on essaie déjà d'essayer de rompre ces fusions quand on parle par exemple à la fusion qui existe entre Facebook et Instagram. Puis concernant la collecte de données et la data mining, actuellement il y a des discussions en cours sur la question de l'obligation des entreprises de mettre à disposition les données qu'ils ont connectées. Et là, il n'y a aucun consensus parce que il faut faire opérer une distinction entre le type des données qui sont collectées. Je voudrais également brièvement mentionner un autre défi que nous avons abordé lors de cet atelier. Nous avons parlé des abus sexuels dont les victimes sont, dans la majeure part des cas, les femmes et les enfants. L'intervenant brésilien nous a parlé d'un défi, à savoir le problème que les preuves qui sont disponibles sur Internet ne sont pas reconnues par les tribunaux. En Allemagne, la législation prévoit la mise en place d'autorités de poursuite pénale qui sont uniquement consacrées à ce type de cybercriminalité. Bien sûr, il faut avoir la possibilité de pénaliser toutes ces formes de cybercriminalité. Un autre sujet que nous avons abordé, c'est la nécessité de participer pleinement à la démocratie, à la vie démocratique, et cela n'est possible en ayant un accès à Internet. Au Brésil, il y a d'autres projets selon lequel, par exemple, l'accès à Internet doit devenir un droit fondamental. La Mongolie souhaite adopter une approche semblable, mais dans ce pays, il est beaucoup plus difficile de mettre en œuvre une telle législation, un tel projet législatif. Pour conclure, j'aimerais compléter la liste des sujets. Nous avons également parlé de la protection des données à caractère personnel. Il n'y va pas seulement des entreprises qui utilisent et qui gèrent ces données. Mais dans ce contexte, il faut également parler du règlement général sur la protection des données. Un représentant a également mentionné d'autres pays, d'autres continents.
Selon cet intervenant, la réglementation européenne peut servir d'exemple et de base pour de législations similaires dans d'autres pays. Le gouvernement fédéral a décidé de mettre en place ce qu'on appelle un data dashboard qui permet à tous les citoyens de vérifier, de contrôler quelles sont les dates dont les données dont dispose le gouvernement fédéral. Voilà, donc c'était les sujets que nous avons traités lors de l'atelier lundi passé. C'était pour vous illustrer que nous sommes plus ou moins tous confrontés aux mêmes défis. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut toujours essayer de élargir un petit peu nos horizons, de regarder aux autres pays pour voir ce qui se passe chez nos voisins. Il faut essayer de rester en contact et nous devons également faire en sorte que l'approche multipartite soit mise en place dans nos processus législatifs. Donc, je vous lance un appel pour faire la promotion de l'approche multipartite. Hallo und danke die deutsche Regierung und die deutsche Parlament. Bonjour et merci beaucoup au Parlement allemand, au gouvernement allemand pour avoir invité l'Assemblée parlementaire et c'est tout pour mon allemand. 30 ans après la chute du mur ici à Berlin, ce n'est pas le moment de créer de nouveaux murs numériques. Il faut rebondir sur les outils numériques pour en faire profiter les citoyens. L'ouverture de l'Internet autonomise les citoyens pour qu'ils puissent s'engager au sein de la société. Nous avons besoin d'outils numériques pour que les citoyens puissent contrôler le gouvernement. Qui servons-nous si ce ne sont pas tous nos citoyens? Nos citoyens doivent être protégés, mais pas contre un cybercrime non défini. Il nous faut assurer l'intégrité de chaque citoyen contre les autorités policières ou services de sécurité du monde entier, mais aussi d'une surveillance commerciale par des entreprises, des médiateurs de données et autres plateformes. Il faut donc avoir un panorama des données utilisées, du traitement de ces données, et il faut demander aux plateformes d'aider les sociétés à établir un dialogue démocratique ouvert et qui va unir nos sociétés. Il ne faut pas permettre aux modèles commerciaux de nous pousser vers des positions de plus en plus polarisées par un micro-ciblage, ne permettant pas à nos collègues de diffuser l'angoisse parmi les citoyens, quelle que soit la religion, l'ethnie, le genre ou la sexualité ou encore les vues politiques. Nous sommes tous des êtres humains, des citoyens avec des droits égaux au sein de nos sociétés et dans le monde. Ces droits égaux sont ou devraient être la base du cyberespace. Ces droits égaux et nos droits humains doivent être soutenus et pas mis en péril par les outils technologiques du cyberespace. Voilà pourquoi nous devons nous défendre contre le cryptage de bout en bout. C'est la base d'un cyberespace non fragmenté et innovant. Voilà la vision unique pour un réseau et un monde. Merci. Thank you very much, ladies, for this last summaries. Merci beaucoup, mesdames, pour ces derniers résumés. Est-ce que je peux vous demander de lever la main droite si vous pensez que c'était une bonne idée, une bonne initiative d'avoir une voix très forte des parlementaires au sein de l'IGF? Levez la main droite. Si vous ne le pensez pas, levez la main gauche. Je ne vois pas beaucoup de contradictions. Merci beaucoup, Marianne, pour cette idée. Je passe maintenant la parole à nos panélistes avec une partie
questions et réponses fortes. Alors, qu'est-ce que vous ramenez à vos parlements nationaux? C'est Thomas Schneider qui va animer le débat. Il est ambassadeur et directeur des relations internationales au sein du Bureau fédéral suisse des communications. Nous avons quatre parlementaires ici. Marianne Ahazer d'Égypte, toujours donc membre du Parlement. Alagi Mbo de Gambie, parlementaire également. Je vous prie de vouloir monter à l'estrade. Carla Zambelli du Brésil et finalement Margarita Escobar, députée du Salvador. Chacun pourra prendre la parole pendant 5 minutes dans un premier temps et ensuite Thomas Schneider animera le débat pendant les 20 minutes suivantes. Nous avons des microphones dans la salle, donc voilà. Merci Monsieur Schneider d'avoir accepté de jouer ce rôle. Hello everybody, it is a special honor for me to. Bonjour à tous, c'est un honneur d'animer cette séance. Puisque je m'engage au sein de l'IGF Suisse et de l'IGF tout court, nous tentons toujours d'associer les parlementaires à notre discussion parce qu'il y a parfois un décalage entre le débat au sein de l'IGF et les décideurs, les parlementaires. Donc, merci beaucoup à l'Allemagne d'avoir pris l'initiative pour changer cela. Et merci à vous, aux autres parlementaires, d'être des nôtres. Lançons donc le débat. Première question. Elle est assez simple. Vous la voyez à l'écran. En tant que parlementaire, quelle a été votre expérience ici? Est-ce que vous avez reçu des informations nouvelles qui vont alimenter le débat avec vos collègues dans vos parlements nationaux? Et deuxième question, est-ce qu'il y a des omis? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont manqué dans le débat? Lancez-vous, s'il vous plaît. Bonjour et merci beaucoup. Je voudrais saisir l'opportunité pour remercier l'IGF en général et le gouvernement allemand d'avoir donc inclus les parlementaires dans ce forum merveilleux. Il est essentiel que les politiques s'engagent à tous les niveaux, et notamment en ce qui concerne la gouvernance d'Internet. Prenons la gouvernance d'Internet un peu partout dans le monde. Je pense que c'était une très bonne chose justement d'avoir associé les parlementaires. On a vu un effort participatif au sein de cette IGF et c'est ça que je ramène vers mon pays et l'Afrique dans son ensemble. Prenons les structures gouvernementales. Tout le monde est impliqué. C'est l'exécutif, la société civile qui doit être associée, les organisations internationales et tous les pans de la société. Nous avons vu que l'approche participative constitue la clé et si on veut aller de l'avant, il faut vraiment sortir des silos, sortir de la zone de confort et se retrouver comme une grande société. Voilà, l'effort participatif, c'est là ce que je ramène à la maison. Merci beaucoup. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tout d'abord le Parlement allemand d'avoir pris cette initiative et Jimmy notamment. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je l'aime beaucoup pour sa vision. Merci, Jimmy. Il y a une chose que je ressors du débat, c'est de lutter pour qu'il n'y ait pas de mur dans Internet. Nous souhaitons avoir un accès libre pour tout le monde, pour que toute l'humanité en profite. Pas de mur virtuel. Voilà ce que je retiens. L'autre élément qui
qui doit nous intéresser. C'est une question de la plus haute importance. Aujourd'hui, l'IGF a fait un grand bond en avant en incluant les parlementaires dans ce forum. En effet, nous avons connecté les déconnectés. Dans ce cas-là, les parlementaires qui, en fin de compte, sont ceux qui préparent les législations, les lois nationales. L'approche est donc tout à fait concluante et elle manquait. Donc c'est ce que je ramène vers mon Parlement. Et j'encourage d'autres collègues à s'engager également. Les IGF nationaux devraient peut-être jouer un rôle plus important. La désignation nationale de l'IGF devrait inclure les parlements dans ses activités au plan national. La désignation nationale des IGF devrait être plus démocratique et inclure toutes les parties prenantes au plan national, un peu comme nous l'avons fait ici. Je ne savais pas qu'il y avait cette option, mais maintenant, je le sais. Et je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour que cela se passe au Salvador. Je suis en train de promouvoir une loi au Salvador, à savoir un accès universel à Internet en tant que droit humain, sur la base du Conseil des droits humains des Nations Unies. Cela fait un mois que nous œuvrons pour présenter ce projet de loi et nous le ferons très bientôt, je l'espère. Cela inclura les droits des femmes, les droits des enfants et les droits humains sur les plateformes. Ce n'est pas une question facile, mais elle est là. Donc, si vous pouvez proposer de l'aide, je suis preneuse. Les parlements devraient désigner des points focaux pour ce processus et l'Union interparlementaire devrait créer une commission sur les aspects techniques dans les lois nationales afin que ces points focaux puissent s'inspirer des travaux de ces forums. J'ai pris note d'autres points, mais je m'en arrêterai là pour permettre à mes collègues de prendre la parole. Et merci Marianne pour cette superbe présentation ce matin. Bonjour, je suis Carla Zambelli, je suis membre du Congrès au Brésil. C'est ma première présence à l'IGF. Nous avons au Brésil le président Bolsonaro et je suis très heureuse d'être ici, de représenter mon pays. Je vais parler espagnol, je m'en excuse, puisque mes électeurs au Brésil vont mieux me comprendre. Ce que j'ai vécu ces derniers jours, c'est avoir découvert les lois qui existent dans tous les pays. Et cela nous a placés dans une situation au Brésil qui est assez particulière. Nous vivons dans un pays qui est assez continental, à savoir le Brésil, et nous sommes dans une constellation un peu bizarre. Nous avons le premier président élu par Internet. Le président était hospitalisé parce qu'on a fait un attentat contre lui. Et l'élection a entièrement été réalisée par Internet. Je suis ici parce que cela fait quelques mois que j'ai pas mal d'influence dans les réseaux sociaux. Et cela s'est passé après les élections. Avant les élections, je n'étais pas connue. Et aujourd'hui, j'en suis à 800 millions de suiveurs sur Internet. Donc, en fait, nous avons un impact majeur. Sur cette toile de fond, nous pouvons imaginer l'importance des plateformes numériques. Et
au-delà de la garantie de l'accès, et sur ce panel, on a beaucoup parlé de l'accès à Internet comme si c'était un droit humain, mais dans un pays où une grande partie de la population n'a même pas accès à de l'eau saine, parler d'Internet comme d'un droit humain paraît compliqué à comprendre. Cet espace était auparavant dominé par les grandes entreprises, les grands entrepreneurs qui avaient la mainmise sur l'accès à l'information. Et ici, j'ai vu que dans le monde entier, l'Internet maintenant n'est pas réservé aux seules grandes entreprises, mais est disponible aussi pour les personnes normales comme moi. C'est très important parce que c'est la liberté d'expression et de la pensée qui importe au Brésil aujourd'hui. Moi, je représente le parti de Bolsonaro, certes, mais notre président est préoccupé pour et souhaite que la gauche aussi puisse penser librement. Et Internet doit aller au-delà du droit humain, mais il faut surtout s'intéresser à la liberté d'expression. Nous avons un ex-président qui vient juste de sortir de prison et qui parle déjà d'une censure, d'une réglementation d'Internet et des réseaux sociaux, tout comme de la presse. C'est quelque chose qui m'angoisse. Et nous avons évoqué ici les lois, certes, mais nous avons aussi vu ce qui se passe dehors. Et il faut voir aussi un peu la répression qui se passe sur Internet. Prenez Facebook au Brésil. Il y a 400 comptes qui ont été effacés. 400 personnes qui pouvaient s'exprimer librement et qui ont perdu leur compte du jour au lendemain. On ne peut pas privatiser la justice de la liberté d'expression. Ce ne sont pas les plateformes commerciales qui devraient jouer ce rôle-là. Merci. Merci. Merci, chers collègues, pour vos remarques. Merci, Marco, aussi, pour vos propos aimables. Moi, je pense qu'il y a beaucoup à retenir de cette IGF. C'est la première fois que je suis là et je m'en réjouis beaucoup. Tout d'abord, je citerai l'écosystème. L'IGF a abordé beaucoup de sujets qui sont liés entre eux. Nous souhaitons préparer un avenir meilleur, donc il faut vraiment aborder les choses dans le cadre d'un écosystème et pas indépendamment. Deuxièmement, procéder à un échange avec d'autres parlementaires, connaître leur législation. Et si ces lois ne sont pas à la hauteur de l'ère numérique qui pointe, alors il nous faut nous mettre au diapason. C'est le deuxième message que je retiens. Troisième message. Je sais que l'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Je crois que cet échange avec des techniciens, des gouvernementaux, des parlementaires, le secteur privé, cet échange va nous aider à tendre vers ce One Goal, One Net, One Vision for One World, le slogan de la conférence. Voilà ce que je ramènerai, ce que je dirai à mes collègues, les mots de la société civile. Nous y songerons dans notre pays, au sein du gouvernement, mais aussi des autres parties prenantes. Merci beaucoup. Ce sont donc des messages très importants à retenir, mais je vois aussi cet esprit de coopération. Toutes les parties prenantes qui souhaitent se décloisonner, c'est unique. C'est bien sûr aussi complexe, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me fait très plaisir. C'est une des clés débattues dans le rapport du
panel au niveau du secrétaire général des Nations Unies sur cette matière. Alors, à l'heure de réaliser qu'il faut établir une passerelle entre les débats d'experts, sous quelle forme que ce soit, au sein de l'IGF régional et autres, et les parlementaires, gouvernements et les décideurs du secteur privé, les PDG d'entreprises, etc. Alors, comment établir des passerelles entre ces silos? Comment établir une connexion? Comment participer à un dialogue, mais aussi soutenir le processus de prise de décision, afin que les décideurs puissent eux aussi s'enrichir de ce débat? Concrètement, comment institutionnaliser? Comment mieux se connecter à cette notion de réseaux horizontaux, différents acteurs qui prennent des décisions dans leur silo? L'ICANN, par exemple, qui décide des noms de domaines, alors que l'UNESCO et autres tranchent sur les contenus. Ces réseaux horizontaux, comment peuvent-ils faire des choix qui développent des standards? Comment donc établir des liens avec vous, afin que vous aussi vous soyez dans la boucle, afin que vous soyez connectés avec d'autres décideurs au niveau régional et local? Merci beaucoup. Lorsque l'on prend la globalité des choses, on réalise que ce qui compte avant tout, c'est la confiance parmi les parties prenantes. Une fois que la confiance règne parmi les parties prenantes, on peut commencer à faire avancer le Schmilblick. On réalise que les élus, notamment en raison de la nature disruptive de la guerre, par exemple, doivent savoir vers où on tend. Et c'est la confiance qui est la clé. Et si je dis gouvernement, ce ne sont pas seulement donc les parlementaires, mais aussi l'exécutif. Et on a en plus les parlementaires, on a la société civile. Alors, on a besoin d'un lien pour créer la confiance au milieu. Et une fois que la confiance règnera, tout le monde comprendra ce qu'il faut faire pour tendre vers un monde meilleur. Il y a la gouvernance d'Internet, mais ce qui importe pour les gouvernements, ce sont vraiment les questions sur les droits humains. Prenez les organisations de la société civile. Elle travaille aussi sur les droits humains, prenant le secteur privé, comment gagner de l'argent. Bon, ça, c'est l'économie numérique. Il y a aussi les droits numériques. Qui est responsable de quoi? Donc, ce qui importe, c'est de créer de la confiance au sein des parties prenantes. Et cela permettra à cette plateforme de vivre. Et le reste viendra en plus. Sans la confiance, on n'ira nulle part, puisque chaque partie prenante restera dans son silo. C'est ce que l'on constate dans différents pays si on veut créer la cybersécurité. Il faut donc de la confiance, il faut de la paix. Il faut faire confiance à ce que Internet nous apporte. Les pères fondateurs d'Internet souhaitaient en fait se faciliter la chose en termes de connectivité. Ils ont créé différents protocoles. C'est donc l'être humain qui a créé Internet et donc il est temps maintenant d'en finir avec les cloisons. Voilà, merci. Thank you, Ambassador. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Bon, vous savez qu'on n'aime pas généralement avoir affaire avec les parlementaires, mais c'est quelque chose qu'il faut que nous fassions quoi qu'il arrive. Et je pense que des mesures pratiques pour améliorer la coopération consiste à créer, dans le cadre de cet IGF 2019, un comité de pilotage de parlementaires qui, sous l'égide du Parlement allemand, pourrait vous aider, vous tous, à diffuser l'esprit de l'IGF 2019 dans les régions.
Donc ça, ce serait une augmentation pratique et j'espère que nous pouvons la mettre en œuvre aujourd'hui, si possible. Deuxièmement, je l'ai déjà mentionné, il faudrait que nous créions des personnes de contact au sein de nos parlements qui soient dédiées à ce forum ou aux autres forums également, donc au sein de l'Union parlementaire ou interparlementaire, donc pour que nous créions un comité spécifique. Donc ça, ce serait une autre proposition pratique. Un autre aspect important est de mettre en place des lignes directrices pour les parlementaires lorsque nous ébauchons des lois. Ces lignes directrices pourraient être le fruit du travail déjà réalisé dans le cadre de ce forum ou dans le cadre d'autres institutions. Bon, je vais en mentionner. Je n'en mentionnerai pas, mais de d'autres institutions parce que je risque d'oublier certaines institutions et ce n'est pas mon but. Mais d'avoir des lignes directrices parlementaires pour la rédaction des lois nationales conformes aux normes internationales, eh bien, je pense que ce serait vraiment l'essence même de ce « un monde, un réseau, une vision » qui est notre aspiration. Concernant la cybersécurité, le rapport de la Commission mondiale devrait être consulté par toutes les personnes. Et si nous avons une loi sur la cybersécurité au niveau national, eh bien, ce rapport serait l'occasion d'être conforme, en fait, à ce rapport de la Commission mondiale. Donc, j'en resterai là. Je suis parfaitement d'accord avec mes collègues, notamment ce qu'ils ont dit concernant la confiance des différentes parties prenantes et également d'accord avec ce que ma collègue vient de dire. Nous pourrions certainement nous rencontrer plus souvent et ne pas attendre le prochain IGF, mais peut-être d'avoir un échange préalable et de mettre en place éventuellement un comité constitué de parlementaires qui se consacrent à ce thème. Et nous pourrions donc le constituer. Je souhaiterais également mentionner que la plateforme de communication sur Internet est très importante, car il s'agit de générer de la confiance, comme ma collègue l'a déjà dit. Et il ne faut pas privatiser la justice et la jurisprudence. L'autre thème, ce sont les algorithmes. Je pense que les algorithmes sont comme des bulles de pensée qui ont pour conséquence que ces différents points de vue que nous avons de gauche, de droite, de gauche, de centre, que cette diversité d'opinions puisse coexister et qu'elle puisse garantir la diversité d'opinion et la démocratie. Je pense donc que ces algorithmes peuvent donc générer ces bulles de pensée. Et il faut bien entendu discuter également avec d'autres personnes. Garantir la démocratie sur les plateformes de communication, mais également cet échange régulier entre nous, mais également la conscience qu'une loi puisse très bien fonctionner en Allemagne, car la chancelière allemande, Mme Merkel, a dit une chose très importante, à savoir que l'infrastructure de mise en réseau des plateformes dans le monde entier, qu'il y ait une telle centralisation des informations dans les plateformes et que nous soyons, pour ainsi dire, littéralement livrés à ces plateformes, eh bien, il est important que nous en parlions entre parlementaires. Et je pense que la solution consiste à connaître l'autre, car la législation allemande n'est pas forcément très utile pour le Brésil. Par exemple, une loi qui garantit qu'il n'y ait pas d'informations erronées sur ces plateformes, ça ne fonctionne pas au Brésil, car au Brésil, l'essentiel, c'est la liberté d'expression et ce sont les lois qui se concentre sur ces questions et pas une entreprise, pas une plateforme. Et il ne s'agit pas d'une pensée unique.
Merci beaucoup. Je suis parfaitement d'accord avec mes collègues. Et cette notion de confiance également dont vous parlez, également ce comité de pilotage également que vous avez mentionné, Margot. Et effectivement, cela me rappelle d'une chanson d'Elvis Presley. Vous connaissez cette chanson? C'est maintenant ou jamais. Donc c'est maintenant ou jamais, now or never, pour travailler ensemble dans un cadre multipartite. Et je vous rappelle que lorsque l'on a adopté la loi sur la cybersécurité en Égypte, nous avons eu 21 séances au sein du comité avant la séance générale. Un tiers de ces séances a été consacré à faire des discussions avec le gouvernement, les instituts privés, les milieux universitaires, les instituts nationaux. Il s'agissait d'inclusion également des femmes, des personnes handicapées, de tout le monde donc, qui ont pu s'exprimer. Ce fut vraiment la base d'une excellente législation qui, bien entendu, doit être améliorée. Mais la base est de travailler ensemble. Et c'est très important. Et j'aimerais mentionner également que si nous constituons une équipe mondiale, eh bien, ensemble, chacun réalise davantage. Et j'espère... En tout cas, j'ai conscience que notre objectif n'est pas facile. Nous sommes confrontés à de nombreux défis. Mais aujourd'hui, l'inspiration est la motivation de demain. Et je suis motivée à travailler. Et si nous avons un comité de pilotage, ce serait une excellente chose. Mais de travailler à la confiance, générer cette confiance, n'est pas une tâche facile. Il faudra fournir énormément d'efforts. Il va falloir faire preuve de crédibilité, bien entendu, car il est important également de prendre en compte les différentes opinions et cela permet de constituer un cercle de personnes qui travaillent pour les mêmes objectifs. Et je pense qu'au niveau national, si nous parvenons à le faire, mais également au niveau national et international, bien entendu, de travailler avec les différents actifs, eh bien, je pense que les choses seront certainement beaucoup mieux. Et je suis parfaitement d'accord lorsque vous dites que la confiance est un élément fondamental. Si vous ne vous faites pas confiance les uns les autres, bien entendu, il est difficile de travailler ensemble. Et la confiance est également le résultat de la coopération. Car si vous travaillez les uns avec les autres, eh bien, vous apprenez à vous connaître mutuellement. Et vous savez que vous n'êtes pas forcément d'accord. Et peut-être que vous vivez différemment, peut-être que vos situations sont différentes. Et peut-être qu'il y a des intérêts parfaitement légitimes qui ne sont pas forcément les autres. Et c'est la base de la confiance. Et la confiance a besoin, bien entendu, de règles pour générer cette confiance. Donc, une fiabilité, une prédictibilité des différentes formes de coopération avec des principes fondamentaux, c'est également important. Il s'agit de clarifier les rôles respectifs de l'industrie, des plateformes. C'est quelque chose dont nous avons beaucoup discuté dans nos pays respectifs et bien entendu la coopération entre les parlements nationaux. Donc l'idée d'institutionnaliser les relations avec l'IGF, mais également avec les différentes institutions, les parlements. Et ces fameux focal points, donc personnes de contact, qu'il y ait également un échange qui se fasse ici, qu'il y ait un interlocuteur, ce qui permettrait de partager les idées, des documents également. Et ce qui est important, bien entendu, c'est de voir, parce que nous avons de très nombreux différents acteurs, institutions intergouvernementales dans le monde entier, des réseaux également, de politiques privées également, qui produisent de telles lignes directrices. Et bien entendu, vous avez besoin de ressources pour pouvoir les lire. C'est quelque chose qui prend du temps, mais mieux les personnes sont connectées et partagent la tâche, mieux vous pouvez en profiter. Dernière question. Question brève à vous tous. Et il a déjà été mentionné, il y a des micros au milieu de la salle. Donc, s'il vous plaît, joignez-vous à la discussion. Contribuez à la discussion. Commentez pour que nous puissions faire participer davantage de personnes. Dans un forum tel que celui-ci, je réalise qu'après les années de discussion, se rencontrer et discuter, c'est une chose, mais vous réalisez parfois que
Vous utilisez les mêmes termes et que vous veniez d'un organisme de la société civile, d'un membre du gouvernement ou du secteur des entreprises ou technologiques, eh bien, vous avez parfois une compréhension différente des différents termes. Donc, comment combler ces fossés linguistiques entre les différents silos? À savoir que lorsque vous légiférez, que vous passiez en sorte que les mesures que vous prenez aient l'effet escompté et non pas l'effet inverse, parce que la langue est différente, la compréhension des différents termes est différente et qu'il y a une compréhension différente des choses à faire. Merci beaucoup. La difficulté de la langue continuera à rester un problème de gouvernance, notamment au niveau législatif. Notre compréhension peut varier, bien entendu, pour des raisons culturelles. Et parfois, vous réalisez que les personnes comprennent les choses comme ça les arrange, car l'esprit humain est corrompu. La chose la plus importante, c'est d'avoir une compréhension commune, une base commune, notamment de la technologie. Il faut que nous ayons une plateforme commune. Il y a quelques jours, lorsque nous avons parlé des différents protocoles qui ont été créés, en fait, lorsqu'on a parlé de l'émergence d'Internet, eh bien, nous avons constaté que vous pouvez avoir une... On a mis en place une infrastructure qui permettait aux différents systèmes de communiquer les uns avec les autres. Et il nous faut des règles communes. Et c'est la raison pour laquelle, dans la législation, il faut que nous ayons une interprétation internationale de phrases, de termes, de concepts, pour éviter que les choses se perdent dans la traduction. Car même en anglais, parfois, les termes que je peux utiliser en Gambie peuvent avoir une signification différente qu'aux États-Unis. Donc, la priorité est d'avoir une compréhension commune, et c'est ce que nous comprenons lorsque nous disons que nous sommes d'accord sur un certain terme. La chose principale est d'avoir une compréhension commune sur des termes particuliers, sur des phrases particulières, quelle que soit la langue. Ce qui vous permettrait d'avoir une certaine cohérence. Vous ne serez jamais correct à 100%, mais en tout cas, il y aurait une certaine cohérence. Et c'est très important. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, pour cette question très importante, car la question est de savoir comment est-ce que nous comprenons les uns les autres. Lundi, la première fois que je suis venue à cette réunion, je me demandais si j'étais au bon ou au mauvais endroit. J'avoue que j'étais un petit peu perdue. Mais à présent, je vois que j'étais en mesure de comprendre les termes, les concepts, hein, les défis et les réponses. Ce qui m'amène à réfléchir à l'importance de nos réunions dans une même salle sur les mêmes thèmes. Je pense que c'est la meilleure façon pratique de réduire les obstacles ou les fossés entre les responsables politiques et techniques. Et je pense que les responsables techniques devraient apprendre également le langage politique parce que, bon, je ne suis pas sûre que ce soit forcément nécessaire dans ce sens-là parce que ce n'est pas forcément quelque chose auxquelles les personnes aspirent. Mais bon, de lundi à vendredi, nous nous sommes réunis 5 jours. Et si je disais à mon Parlement, faisons une loi 4.0. Je suis prête à parier qu'elle me prendrait pour une folle. Certains suivraient. Mais le reste ne suivront jamais une telle aventure. Toutefois, nous le faisons quand même. À savoir que nous considérons à présent une protection des données personnelles. Donc la protection des données personnelles, et je suis d'accord avec le collègue du Brésil, ce n'est pas quelque chose qui va être simple. Nous avons de nombreuses difficultés, mais il faut que nous commencions dès à présent. Il faut que nous entamions notre réflexion, car par exemple, au Salvador,
Dans un petit pays, seuls 30% de la population a accès à l'Internet et nous devrions être préoccupés en tant que parlementaires, surtout si l'on estime que, c'est un droit humain selon le Conseil des Nations Unies sur les droits humains. Donc, comment combler ce fossé de la langue? Eh bien, nous sommes tous des êtres humains et il faut que nous soyons en mesure de nous comprendre mutuellement. Et la voie où nous mènera cette loi 4.0 dépendra bien entendu de notre capacité à comprendre les choses et d'être un monde, un réseau, une vision. C'est une question véritablement philosophique et je suis une personne très pragmatique. Donc pour moi, il est vraiment très difficile de parler de ces différences. Et ces différences peuvent être considérables entre le Brésil, l'Afrique, l'Égypte. Au Brésil, nous estimons que le monde change très rapidement et considérablement. Et sur Internet, il y a quelques semaines, un énorme malentendu, car le monde pensait que la région de l'Amazone était en feu. Et ces feux de forêt sont parfois d'origine criminelle. Mais en fait, ce sont les ONG qui ont mis le feu pour mettre le gouvernement conservateur en difficulté. Et depuis 20 ans, c'est la première fois où nous avons si peu d'incendies de forêt. Donc c'était vraiment des informations erronées. Un chef d'État a même montré une photo d'une girafe au milieu d'un de ces incendies, alors que nous n'avons même pas de girafe dans la région de l'Amazone. C'est vraiment un monde à part et cette liberté d'expression doit être garantie pour tous. Pour les personnes de droite comme de gauche. Et c'est ce dont il s'agit à présent au Brésil. Et le problème que nous avons au Brésil doit être également compris par les Brésiliens, mais également par le monde extérieur. Il faut écouter les différentes opinions. Et Internet peut être ici vraiment problématique, à savoir que l'on n'entend qu'un son de cloche. Je vois que je suis une connexion en quelque sorte, à savoir que j'ai une formation technique et je suis parlementaire, ce qui me simplifie la vie. Je pense qu'en fait, ce serait peut-être une solution, ce serait peut-être d'ouvrir en fait la communication avec des parlementaires qui n'ont pas forcément cette formation technique. Et je pourrais en fait envoyer un bilan de ce qui s'est produit au cours des dernières semaines à mes collègues parlementaires, pour leur faire un point technologique. Et ce serait l'occasion de partager les meilleures pratiques et ce serait également l'occasion en fait d'éveiller l'appétit des autres parlementaires et de montrer que le monde de la technologie n'est pas un monde ennuyeux, mais qu'il s'est passé énormément de choses très intéressantes. Et il est important donc d'éveiller cet appétit. On n'est jamais trop vieux pour apprendre. Et grâce à la coopération, par exemple, avec le service de formation du Parlement, nous pourrions également former les parlementaires pour qu'ils comprennent mieux les choses. Et ceux qui sont motivés, qui ont l'appétit, pourraient se joindre à ces formations. Et la première étape constituerait à créer un groupe de soutien de personnes qui s'engagent pour le monde numérique. Et ces personnes seraient responsables d'ouvrir l'appétit des autres parlementaires
et d'entretenir l'appétit des autres pour les sensibiliser, les former. Et ce serait l'occasion d'avoir un bon groupe qui puisse être générateur d'idées et qui serait en mesure d'actualiser les différentes politiques pour pouvoir relever ces défis. Je pense que c'est certainement la meilleure tactique que nous pourrions avoir. Merci pour cette solution pratique. Nous avons différentes personnes qui font la queue depuis un bon moment. Il faut que vous alliez jusqu'au micro, s'il vous plaît, les personnes qui souhaitent intervenir, car il n'y a pas de micro ici, mais il y en a au moins 5 au fond. Donc, je vous prie de bien vouloir la queue. Et je vais prier monsieur sur la droite de prendre la parole. Merci, Thomas. Mercredi, nous avions organisé un atelier avec une vingtaine de députés pour discuter avec la communauté technologique et sur la possibilité de rendre Internet plus sûr. Et je voudrais donc poser une question à Madame Azera et à Madame Escobar. En fait, nous avons commencé par 5 recommandations qu'il n'est pas nécessaire de répéter et nous avons formulé une 6e recommandation parce que nous avons constaté qu'il y a un besoin fondamental de tous les côtés de connaître les règles, c'est-à-dire la communauté technologique, ces protocoles. Il faut donc maîtriser le langage, mais puisque la dimension politique utilise également sa propre langue. Il faut donc assurer que ces langages soient traduits pour que les membres des autres communautés puissent comprendre de quoi il s'agit. Merci bien. Il nous reste encore 4 ou 5 minutes. Je propose donc qu'on invite le monsieur au milieu de prendre la parole. Bonjour, merci, je m'appelle William Pfarder, je suis membre du Parlement de l'Afrique du Sud. Nous avons déjà instauré un forum sur l'éthique qui existe depuis une dizaine d'années. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur un Parlement sans papier, pour ainsi dire, pour inciter les députés de communiquer uniquement via Internet. Le mandat a été élargi en 2017, en juin, afin de faire participer aussi l'éthique. Et cela s'applique à tous les processus législatifs. Et nous espérons que Internet soit disponible pour tous les acteurs intéressés. Mais le gouvernement devrait être également tenu responsable pour en décompte. Nous avons besoin d'une régulation pour protéger notre population, pour la protéger contre toute forme d'abus. Cela est important pour tous les pays. L'intelligence artificielle, dans le cadre de la révolution technologique, est également un sujet tout à fait passionnant. On devrait se baser sur ce concept, notamment dans le domaine de la formation. Nous avons fait la connaissance du contrat pour le web qui a été adopté ou inventé par Sir Thomas Berners-Lee. Ça, c'est un excellent point de départ pour augmenter la confiance mutuelle. J'aimerais également remercier les organisateurs d'avoir organisé cette IGF. Merci beaucoup, la dame à la droite. Je propose que c'est tout d'abord la dame. Merci Thomas. Je voudrais proposer d'instaurer un dialogue avec le Brésil. Nous apprécions beaucoup la présence des députés ici. Quand on regarde la politique brésilienne, on constate qu'il y a des directions erronées qui ont été prises, notamment concernant l'engagement de la part de la société civile. Puis, il y avait des préoccupations concernant la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Cela est très important pour nous parce que dans nos médias, il y a des attaques quotidiennes contre
les citoyens, mais également contre le président, et ces attaques sont systématiquement considérées comme étant des fausses nouvelles. J'aimerais poser une question à Carla. Selon vous, quel est le rôle du Parlement brésilien quand il s'agit de combler ce fossé qui existe entre la population et le gouvernement? Je vous invite ne pas trop parler de la perspective nationale. Lors du déjeuner, vous auriez l'occasion de le faire. Ici, on devrait plutôt rester dans un contexte international. Merci. Oui, un grand nombre de comités, de commissions ont été fermés et cela pose des problèmes au Brésil. Depuis des années déjà, le peuple a perdu énormément de choses à cause de la corruption. Nous avons énormément de ressources à notre disposition, mais nous n'avions pas, même pas le minimum de ce dont nous avons besoin. Nous avons enregistré le plus grand nombre de vols. Des millions de milliers de reich ont été volés au peuple. Puis il y avait ces conseils qui ont été mis en place par la société civile, mais ces conseils étaient complètement inactifs. Ils se sont uniquement concentrés sur leurs activités. Moi, je suis une simple députée, mais je suis sur Facebook et je suis en train de envoyer des tweets sur Twitter. J'ai le chiffre 27. Sur Twitter, j'ai 40 millions de personnes qui me suivent. Cela est possible, cela se passe au Brésil parce que la presse n'assume pas le rôle qui lui incombe. La liberté de presse n'existe pas au Brésil. On se méfie des informations qui sont diffusées par les médias. Le peuple reçoit bien ces informations, mais il s'y méfie. Et puis, ils ont recours à nous pour essayer d'obtenir les bonnes informations qui sont considérées comme étant correctes. Mais je suis donc, c'est peut-être pas l'endroit ici d'en discuter davantage, mais je suis à votre disposition. Moi, je m'appelle Coronel Massani, je suis député à l'Assemblée nationale du Niger et je suis très satisfait de toutes les activités qui se sont déroulées dans ce forum. Mais j'ai un certain nombre de critiques. Le barrage linguistique est un problème important qui doit être levé. Parce que quand vous réunissez des parlementaires et que c'est juste les membres du panel qui parlent, nous, vous nous donnez une ou deux minutes, ça c'est déjà un problème. Les parlementaires, ils sont là pour parler, pour débattre. Donc il faut dans l'avenir prévoir suffisamment de temps pour que les gens s'expriment. Premièrement. Deuxièmement, et par rapport au barrage linguistique, moi je suis dans un pays francophone. Je suis dans un parlement où on a initié un forum au niveau communautaire. CDAO, ECOWAS. Donc nous sommes actuellement en train de préparer un forum pour janvier prochain, du 16 au 18 janvier 2020. Nous avons fait beaucoup de choses dans notre Parlement, on a adopté des lois, mais toutes les discussions auxquelles j'ai participé depuis le 25 jusqu'à hier, c'est des discussions où il n'y a pas de traduction. Moi, je ne parle pas très bien l'anglais. Mon anglais est faible. Vous voyez, là, il y a une injustice. Donc quand vous parlez de la confiance. Comment quelqu'un va vous faire confiance s'il ne comprend pas ce que vous dites? Je pense que les propositions qui ont été faites par la députée du Salvador sont très très bien. Il faut mettre en place un steering committee qui va préparer avant le prochain forum, le IGF de 2020, il faut préparer une organisation qui va permettre aux parlementaires de s'exprimer correctement. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur à la gauche. Bonjour. Pardon,
Yes, we go one mic by mic, and please try to be short. Puis un après l'autre, je vous prie de respecter l'ordre. Il nous reste encore une minute, donc deux petites interventions. Donc veuillez être bref, s'il vous plaît. Je m'appelle Safar du DAC, de la République démocratique du Congo. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs d'avoir pris cette initiative et je voudrais demander d'assumer le pilotage, pour ainsi dire, parce que c'est la première fois que les députés ont la possibilité de participer activement à la discussion et il faut que cela soit systématisé à l'avenir. Il est donc crucial que ce sujet soit également traité au plus haut niveau du IGF prochain. Puis, il est également question de ce que font les députés après leur retour dans leur pays. Tout un chacun doit faire ses devoirs et j'espère que dans un proche futur, nous aurions l'occasion que moi, de toute façon, je deviens le Jimmy Schultz de l'Afrique pour mettre en place un agenda numérique. Mais pour cela, pour que cela fonctionne, il faut se mettre en réseau pour ne pas se limiter à une approche nationale, pour faire en sorte que tout un chacun adopte la même direction. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut procéder à la même vitesse. Et j'appelle donc les organisateurs allemands de faire preuve de leadership dans ce domaine. On vient de m'avertir qu'on a encore un peu de temps à notre disposition, donc je vous invite à prendre la parole. Bonjour, je m'appelle Pamela Massaï. Je suis députée du Tanzania et j'aurais une question à poser aux organisateurs. On a beaucoup parlé des sujets auxquels nous pouvons rallier, dont entre autres le travail ou le dialogue interparlementaire. Nous avons besoin également d'un dialogue entre nos pays. Mais il y a une question primordiale. Qu'en est-il du dialogue entre ceux qui ne sont pas familiarisés avec tous ces enjeux-là? Bien sûr, on peut organiser un programme qu'on peut diffuser dans les différents pays respectifs et dans les institutions responsables pour qu'on comprenne comment travaille l'IGF et quels sont les objectifs pour lesquels nous nous battons pour atteindre encore plus de personnes concernées. Merci. Avant de passer la parole à Taïda, je voudrais encore faire un commentaire. Il s'agit d'idées très importante, mais il y a quelque chose dont nous avons besoin pour les mettre en œuvre, à savoir des fonds financiers. L'hôte de l'IGF 2019 a vraiment utilisé pas mal de fonds, ce qui ne va pas de soi. Une grande partie du travaux sont financés sur une base volontaire par les gouvernements respectifs. Et c'est une mission que qui, à mon avis, incombe aux députés. Ils devraient s'adresser à leur gouvernement et demander plus de fonds, plus de ressources pour ce sujet fondamental qu'est le numérique. Donc, bien évidemment, le dialogue, ça, c'est une première étape vers une meilleure compréhension et vers une meilleure prise de décision sur une base réfléchie. C'est la raison pour laquelle vous devez tous vous battre pour promouvoir le dialogue dans vos parlementaires et les échanges avec les gouvernements. Merci. Je m'appelle Christina Akida. Je travaille pour le gouvernement égyptien. Et tout d'abord, j'aimerais remercier le gouvernement fédéral et le Bundestag allemand d'avoir invité les parlementaires à participer à ce forum. Je suis très content d'avoir
rencontrer un si grand nombre de députés de la planète entière. J'aimerais vous dire la chose suivante. Un grand nombre d'entre vous a dit que vous êtes là pour la première fois. Moi, j'aimerais vous dire qu'il y a un réseau avec plus de 100 organisations de jeunes du IGF. Ces réseaux sont actifs dans un très grand nombre de pays. Ce réseau a été cité aussi dans le rapport du commissaire des Nations Unies pour le numérique. J'espère donc que vous entriez en contact dans vos pays respectifs avec ces réseaux pour les soutenir et pour entrer en contact avec ces groupes. Merci. Juste une petite information supplémentaire. Ces initiatives régionales ne sont pas officiellement rattachées au IGF, mais vous allez retrouver tous les détails concernant ces groupes en consultant notre site web. Merci beaucoup, Aïda. Je voudrais vous relever un secret. Sans le concours d'Aïda, je ne serais pas là aujourd'hui parce que c'est elle qui m'a informée et m'a parlé de IGF, donc je lui suis vraiment très reconnaissante. C'est un modèle un exemple très précieux pour la coopération entre le gouvernement et les parlements. Merci, Monsieur Aïcha, député à l'Assemblée nationale tchadienne, président de la Commission communication, nouvelles technologies de l'information et de la communication, droits fondamentaux et liberté. Je suis très ravi, je remercie beaucoup le Bundestag allemand qui nous a invités pour participer à ces IGF. Je salue également l'initiative prise par le panel de créer un comité de pilotage qui peut réunir tous les parlementaires. Par contre, comme tout à l'heure, mon ami qui s'est passé, nous sommes pleins de la barrière linguistique qui s'est érigée entre nous. Francophones et anglophones, parce que tout l'IGF était en anglais et nous n'avons pas la traduction ni le document en français. Ça, c'est un point. D'autre part, mon pays, le Tchad, a organisé ces derniers mois l'IGF au Tchad, en N'Djamena, qui a vu la participation de 45 pays africains et plus de 3000 participants. J'aimerais bien que les conclusions et les résolutions de ce forum soient intégrées à l'IGF de Berlin et que les gens sachent quels sont les problèmes qui se posent aux Africains et quelles sont les solutions idoines qu'ils doivent apporter à ces Africains pour qu'ils puissent accéder à ces nouvelles technologies. La question que je pose est la suivante. Est-ce que la fracture numérique est définitivement soudée? Parce qu'à Genève, en 2003, nous avons parlé de la fracture numérique entre le monde développé et le monde sous-développé. Deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui les pays du Nord et du Sud ont le même niveau de développement pour avancer ensemble vers l'inclusion? Parce que je crois qu'à mon avis, il y a beaucoup de défis et des barrières à l'inclusion. Et ces barrières et ces défis doivent être relevés non seulement par les pays africains, par l'aide de la communauté internationale. Parce que aujourd'hui, comme une panéliste avait parlé de 30% seulement, des gens qui ont 30% accès à l'Internet, en Afrique, il y a moins de 30% qui ont accès à l'Internet. Et je crois qu'au niveau de l'UIT, quand le DG de l'UIT parlait de l'éducation, parlait de l'électricité en brousse, parler de la technologie qui doit être en brousse. Tous ces défis-là ne peuvent être relevés que par un apport international. Parce que nous, en Afrique, aujourd'hui, dans les grandes villes, il y a l'électricité. Mais en brousse, vous n'avez pas d'électricité. Et nous sommes confrontés également à un autre problème. Chez nous, au Tchad, c'est le terrorisme qui fait des ravages. Et donc, ces cyberattaques-là, nous devrons avoir des aides importantes pour les contrecarrer. Parce que ces attaques criminelles nous causent beaucoup de tort, non seulement au pays, mais également à son développement. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur. Le temps avance.
Alors, je vous encourage vivement de continuer les discussions à midi, l'après-midi et surtout aussi après. Et alors maintenant, j'aimerais redonner le contrôle sur cet entretien au modérateur, à la modératrice principale. Je vous remercie beaucoup. C'est clair qu'il n'y a jamais assez de temps pour parler de tous les sujets, mais je crois qu'on a eu un bon départ ici à Berlin. Encore une fois, un remerciement aussi à Jimmy, que c'était un bon ami de moi. On a discuté plusieurs fois à les IGF que ça a été fait possible pour qu'on puisse se voir dans ce cadre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à vos voix dans le salle ici. Et je vous remercie beaucoup parce que je ne suis pas un membre de Parlement. Je suis seulement une journaliste, mais je suis très touchée et très mauvaise par cette discussion. C'est, pour moi, c'est quelque chose que je prends pour moi, pour n'importe quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Oui. Thank you very much, Thomas Schneider, for keeping the fire and really holding the fire during this discussion. Thank you for your strong contributions. Merci beaucoup de ces contributions fortes des différents pays. Merci beaucoup. Donc, j'espère que nous sommes toujours connectés au hub à distance, que les gens sont toujours connectés en ligne. Et pour le dernier panel, avant le déjeuner, je passe la parole au professeur Kleinwächter de la Commission globale sur la stabilité du cyberespace. Et c'est Madame Wörterlin du Parlement allemand qui viendra à l'estrade aussi. Et donc, ce sont les messages parlementaires qui sont au centre de l'intérêt. Bonjour. Je suis M. Kleinwächter, l'un des vétérans de l'IGF. La politique en matière d'Internet se fait toujours de façon transparente et à partir de la base. Tenter de résumer le débat qui s'est tenu entre parlementaires depuis plusieurs jours dans un document bref est un défi. Cela s'appelle donc les messages parlementaires au 14e forum sur la gouvernance d'Internet. Ce sont donc des messages importants et vous savez que des lignes directrices sont normalement obtenues dans le cadre d'un consensus. Tout le monde ne doit pas être d'accord sur chaque mot. Si vous soutenez les principaux messages, cela est déjà très bien. Donc ce n'est pas une déclaration, une résolution formelle, ce sont des messages. La proposition a été soumise dans de nombreux forums ici d'appeler ceci des messages. Donc, c'est l'appel Jimmy Schultz. J'ai un souvenir très personnel. C'était à Nairobi en 2011, à l'occasion de l'IGF, le premier où Jimmy y a participé. L'idée qu'un jour l'Allemagne puisse accueillir un IGF est née de cette première réunion. Et il a été le premier parlementaire allemand à participer à un IGF. Et Emmanuel Höfelin va également être à nos côtés pour cette dernière partie du document. Le document comporte trois parties. Tout d'abord le chapeau, ensuite quelques références à nous et puis finalement quelques paragraphes opérationnels qui comprennent les propositions faites dans le débat. Donc, continuer le travail sous forme d'un IGF parlementaire. Le chapeau comprend un point clé, à savoir l'Internet est une question controversée et si on souhaite aller de l'avant, il faut équilibrer des intérêts conflictuels. Voilà, l'équilibre, c'est le mot-clé. Nous avons des questions concernant les quatre corbeilles, la technologie, les droits de l'homme et les deux autres corbeilles. Et quoi que l'on fasse, il faut
tenter de trouver un équilibre entre les différents intérêts. C'est là le point de départ pour les parlementaires. Ce n'est pas nouveau, évidemment, pour des parlementaires qu'il faut, surprise, trouver des compromis. La deuxième partie du document est une référence à 6 autres documents et forums. Inutile de réinventer la roue. Nous discutons de la gouvernance de l'Internet depuis plusieurs années. Si on veut aller de l'avant, il faut construire sur les bases qui existent déjà. Le système, l'Internet est un système en couches. Et cette approche par couche de la politique concernant l'Internet, nous devons l'accepter. C'est surtout l'agenda de Tunis, un excellent document. C'est la déclaration née donc du processus multipartite en 2014 qui décrit en fait l'approche multipartite. Ensuite, les résolutions des Nations Unies soutenu par les 193 États membres des Nations Unies, comme quoi les droits de l'homme, évidemment, sont importants hors ligne et en ligne. C'est un grand module de nos activités au sein des parlements ces prochaines années. Autre module important, les différents rapports élaborés par les commissions. Thomas a cité le rapport par le panel de haut niveau mis en place par le secrétaire général des Nations Unies. Il y a eu aussi l'OIT qui a travaillé sur le sujet, sur l'avenir du travail. La dame du Salvador a cité la commission globale sur le cyberespace. Inutile de réinventer la roue, utilisant les documents existants. Pour les parlementaires que vous êtes, le travail au sein de l'Union interparlementaire constitue un travail très important. C'est un réseau international que vous pouvez utiliser et l'Union interparlementaire a renouvelé son rapport sur le Parlement électronique qui comprend beaucoup d'idées et d'innovations. C'est important également pour les ODD adoptés par les Nations Unies. Et cette référence notamment à l'ODD 9 concernant les questions discutées ici. Tel est le cadre dans lequel nous évoluons. Nous entrevoyons déjà pour la prochaine décennie quelques jalons. Notamment le document en discussion pour le 75e anniversaire des Nations Unies. Ce sera une orientation très importante pour le niveau international et on pourra en profiter dans les débats nationaux. En 2025, il y aura une conférence SMSI 2025. Plus, il est vrai qu'il y a 20 ans, le monde était différent. Et en 2025, qu'en sera-t-il pour ce sommet mondial donc sur la société d'information? Eh bien, nous verrons où nous en serons au niveau des ODD à ce moment-là. Troisième partie de ce document comprend les paragraphes opérationnels. Je demanderai à Manuel de bien vouloir nous présenter ces 5 paragraphes. Et ensuite, nous pourrons adopter cette déclaration par acclamation, si cela vous convient. Colleagues, ladies and gentlemen, last year merci beaucoup, mesdames et messieurs. L'an dernier, à Paris, c'était mon premier IGF. C'était l'année où j'ai vraiment compris pourquoi il fallait aller de l'avant. Jimmy Schulz, pendant longtemps, a été le seul parlementaire allemand qui participait régulièrement à l'IGF. Il est
venus vers nous en nous parlant de l'IGF. Et il était vraiment à fond. Il a dit, c'est une réunion absolument merveilleuse et il faut en faire partie. L'an dernier à Paris, j'ai compris pour la première fois ce dont il parlait. C'est vrai que l'IGF est formidable. Des gens du monde entier se réunissent avec différents sons de cloche, des différentes régions du monde, des différents pans de la société, pour évoquer l'avenir de l'Internet, pour apprendre des choses nouvelles tous les jours. Et ceci dans une culture de discussion, une culture de l'ouverture. Jimmy Schultz est décédé le premier jour de l'IGF. Nous avons souvent pensé à lui ici. Nous avons rappelé son souvenir dans de nombreux discours. Mercredi, nous nous sommes réunis d'abord avec le board de l'ICANN et ensuite donc avec WINSAF. Il y a eu 40 minutes entre ces deux réunions et tous les parlementaires présents sont restés dans la salle et nous nous sommes parlé. Je reconnais certains visages. C'était une réunion spontanée, formidable. Et nous avons développé cette idée d'appeler cet appel l'appel Jimmy Schultz. Vous pouvez lire les points qui sont affichés, mais je voudrais quand même reprendre certaines de ces recommandations. Nous, parlementaires, souhaitons soutenir la coopération internationale et l'échange des meilleures pratiques parmi les parlements nationaux. C'est important de l'entendre de la bouche des collègues. C'est une belle image de dire que c'est l'appel Jimmy Schultz qu'on peut rentrer chez nous en parlant de l'IGF et de créer des étincelles IGF dans nos pays. Voilà. Nous, parlementaires, souhaitons intégrer l'approche multipartite à l'heure de légiférer dans nos pays. C'est important aussi, car en effet, nous souhaitons adopter une partie de cette culture IGF pour nos propres parlements. Nos parlements sont différents. Nous avons différentes cultures du parler au sein de nos parlements. Je le dirai gentiment. Nous avons certains parlements qui sont peut-être plus libres que d'autres dans les différents pays. Alors cette culture de l'IGF, nous souhaitons la ramener à nos pays, à nos parlements, pour promouvoir l'Internet libre et l'avenir de l'Internet. Et dernier point tout aussi important, notamment pour Jimmy et ceux qui le connaissaient le sauront, nous parlementaires souhaitons travailler en faveur d'un groupe IGF informel parlementaire. Nous réunissons des parlementaires du monde entier sur ou pendant des IGF à venir. Et ici, nous avons lancé cette idée. Et peut-être que nous pourrons renforcer l'idée en Pologne l'an prochain. L'Union interparlementaire et d'autres organisations sont limitées à des délégués qui font partie donc de ces groupes. Ici, les délégués peuvent venir à chaque IGF. Il n'y a pas de frontières. Tous les membres des parlements qui font partie de l'opposition n'ont pas la possibilité de participer à des conférences internationales. Peut-être que cela est normal en Allemagne, mais même pas toujours. Parfois, il y a une limite de 2 députés. Et ces 2 députés sont ceux qui représentent les 2 grands partis du Parlement. Mais ce n'est pas la norme dans d'autres pays. Donc, c'est bien d'avoir un espace ouvert où les parlementaires du monde entier, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, puissent se rendre ici aux réunions de l'IGF à l'avenir pour évoquer la liberté et l'avenir de l'Internet. Et cela correspond tout à fait à la philosophie de Jimmy. Inclure des parlementaires de tous les pays
de tous bords dans ce process IGF. Merci à vous, parlementaires, à tous les participants de cette édition de l'IGF. Je voudrais remercier aussi nos amphitryons, les organisateurs, et je remercie le gouvernement, puisque je suis dans l'opposition, d'avoir dépensé cet argent et d'avoir invité des parlementaires du monde entier. La lettre a été signée par Wolfgang Schäuble, le président du Parlement allemand, et Jimmy Schulz, le président de la Commission numérique. Mais il a fallu quand même envoyer les lettres, cela coûte de l'argent. Et donc nous remercions le gouvernement allemand d'avoir rendu cette conférence possible. Je pense que l'appel est vraiment un jalon et je pense que Jimmy serait fier de nous. Merci d'être des nôtres et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Thank you and goodbye in Katowice. Merci, je vous donne rendez-vous à Katowice l'an prochain. Thank you very much. Merci beaucoup aussi pour votre attention. Voilà, c'est l'heure du déjeuner jusqu'à 15 heures cet après-midi. Et nous nous retrouvons ici à 15 heures sous forme d'un cœur ici dans cette salle. Merci.